Et bien voilà, donc une semaine après le grand lancement de la base, nous sommes de retour avec vous donc pour ce deuxième épisode. Merci à vous si vous étiez présent vendredi passé, merci d'être encore là ce soir. Si vous êtes de retour, c'est que le premier épisode vous a plu. C'est important pour moi de vous rappeler que vous pouvez évidemment donc prendre part à nos discussions, prendre part à l'émission en interagissant directement avec nous via l'espace commentaire, nous poser vos questions, nous faire part de vos remarques, etc. etc. Si vous avez été attentif, si vous aviez déjà assisté à la première émission la semaine dernière, vous pouvez voir qu'il y a des petits changements à mes côtés. Il y a toujours Brieux qui était déjà là la semaine dernière. Bonsoir Brieux, comment vas-tu ? Bonsoir Manu, très bien, content d'être là pour la deuxième de la base. Bah merci de ta fidélité déjà. Écoute, j'ai pas trop le choix. Et puis nous rejoint aussi ce soir Clémence à ma gauche. Bonsoir Clémence. Bonsoir Manu. Comment vas-tu ? Ça va bien, je suis contente de faire ma première à la base. Tu es contente d'être parmi nous ? Oui, oui, je suis contente. Enfin, j'ai un peu la pression que vous avez mis la barre haut la semaine passée. Donc voilà, je vais essayer d'être à la hauteur. Merci, c'est un compliment, on le prend bien en tout cas. Tu remplaces donc toi ce soir Thomas Lejeun qui était à ta place la semaine dernière. Tu prends sa place, tu le connais bien, vous vous côtoyez en fait dans la vie toi et Thomas parce que vous faites les mêmes études, si je ne me trompe pas. En tout cas, vous êtes tous les deux doctorants au centre d'études de la vie politique à l'ULB, c'est bien ça ? C'est ça, oui, oui, on est dans le même centre de recherche, ouais. Et donc si tu es avec nous ce soir, c'est pour avoir un petit peu le même rôle qu'avait pu avoir Thomas la semaine dernière, c'est pour nous apporter tes connaissances et tes analyses sur les questions politiques et les institutions politiques, et donc ta présence sera cruciale encore plus lors de notre deuxième partie, dans quelques minutes quand on recevra Sarah Schlitz tout à l'heure. Mais donc voilà, merci Clémence d'être venue parmi nous, tu seras aussi là dans d'autres émissions, hein, tout comme Thomas, qui reviendra aussi par moment, mais voilà, tu fais partie de la base, donc merci de faire partie de notre équipe et merci d'être avec nous ce soir. J'aimerais déjà savoir si ta semaine s'est bien passée, ta semaine de travail, comment s'est-elle passée ? Oui, écoute, ça s'est bien passé. Assez chargée, mais bon, ça va. Mais je suis contente de sortir un petit peu du bureau pour venir à la base. Du coup, c'est cool pour bien finir la semaine, quoi. Dans un exercice un peu différent. C'est ça, oui, oui, ça change un petit peu, ouais. Parce que là, tu es en début de doctorat, c'est ça ? Tu commences un peu le... Oui, c'est ça. Ouais, Thomas commence à être un peu plus vers la fin. Du coup, moi, je suis un peu plus au début. Donc, c'est à la fois très stimulant, mais un petit peu encore intimidant, je pense. Je pense que je vais être plus à l'aise, ça va venir au fur et à mesure. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Pour tout le monde en même temps. Et donc toi, Brieux, tu es journaliste, pour rappel, à LN24+, donc la cellule digitale, la plateforme digitale de LN24. Et donc toi, tu es encore là ce soir, tu seras encore là les semaines suivantes. En tout cas, si tu le veux bien, pour l'instant. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être là, à toi aussi. Mais toi, Brieux, quand même, un peu de... Je vais être poli quand même. J'ai demandé à Clémence comment s'était passée sa semaine. J'aimerais bien savoir quand même la tienne, même si on est amené voilà, à se côtoyer pendant la semaine, puisque nous sommes collègues à LN24. Comment s'est passée ta semaine ? Est-ce qu'elle était chargée niveau boulot, etc., etc. Chargée au niveau boulot, oui, comme un peu toutes les semaines. Donc ça, c'est un peu normal. Mais c'est vrai qu'on était très contents la semaine dernière de... d'avoir pu lancer la base, que tout soit bien passé. On a passé du temps à débriefer tout ça ensemble cette semaine et à essayer de rendre la base toujours meilleure pour les gens qui nous regardent et pour que ce soit de plus en plus agréable à suivre et à regarder. Et puis, une fois qu'on a lancé la base, on peut aussi commencer à se réintéresser et à se remettre dans la production de décryptage aussi, qui est un format qu'on développe ici sur LN24+. Une fois par semaine, on s'intéresse en profondeur à une thématique de société. On a pu, avec Martin qui est ici... Tu fais bien le préciser, c'est vrai, précisons-le, Martin qu'on ne voit pas, qui est à la réalisation. Merci Martin d'être également avec nous ce soir. Et donc avec Martin, on a pu commencer à relancer un peu la production de décryptage. Et donc je suis très impatient de vous présenter à tous les premiers décryptages de cette nouvelle saison d'LN24+. Ça va être bien, je pense. Merci Brieux, merci aussi à tous les deux de m'avoir demandé comment moi ma semaine s'était passée. Personne ne m'a demandé comment la semaine s'était passée, alors que c'était une semaine spéciale pour moi. Pourquoi ? Parce que c'était mon anniversaire mercredi. Voilà, je tiens quand même à le souligner. Vous voyez qu'il n'y a pas de gâteau d'anniversaire sur la table. Mais voilà, merci à tous les deux. Avec grand plaisir. Et donc je suis évidemment très content de pouvoir partager avec vous cette deuxième émission de la base ce soir. Je voudrais avec vous commencer à venir un petit peu sur du fond, sur ce qui nous intéresse ce soir. On va déjà parler un petit peu d'actualité avant donc de recevoir notre grande invitée politique, hein, qui, on le disait, est donc Sarah Schlitz, la secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances, qui nous rejoindra dans quelques minutes. Je voulais déjà avec vous parler un petit peu d'actualité en vous parlant d'une première actualité qui vous aura ou pas peut-être échappé, je n'en sais rien. En tout cas, moi, elle m'a profondément marqué, c'est sur le réseau social
TikTok. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a notre cher Elio Di Rupo, qui est un assez fan de TikTok apparemment, qui a publié une vidéo assez marrante de lui chez Ginette, donc qui est un bar dansant ou une boîte peut-être. C'est une boîte. Voilà, une petite vidéo d'Elio Di Rupo en train de s'ambiancer sur le dance floor chez Ginette, qui était assez drôle. Est-ce que vous avez pu profiter de la réouverture des boîtes et des bars dansants, hein, avec le Covid Safety Cat, on le rappelle, ce week-end? Est-ce que vous avez imité Elio Di Rupo sur la piste? Alors, imiter Elio Di Rupo sur la piste, peut-être pas. Je crois qu'il est inimitable. Hein, le ministre-président du gouvernement wallon, pardon, qui est reparti en boîte. Alors, j'ai pas encore pu inaugurer le retour en boîte, mais par contre, j'ai pu retourner au restaurant et au théâtre aussi. C'est important. Et donc, tout ça grâce au Covid Safety Cat, ce qui est plutôt agréable de pouvoir retourner à la vie culturelle aussi et festive. Le Bux me souhaite un bon anniversaire. Merci beaucoup Le Bux et bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez donc sur YouTube et sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas évidemment pendant tout le live donc à interagir avec nous. Oui, il y a eu un petit problème de son, j'ai vu au départ. Donc, j'espère que maintenant tout est en ordre. Tout semble réglé, mais maintenant il y avait un petit problème de son, donc peut-être rappeler le début de l'émission. Oui, pardon, donc pour rappel, donc au sommaire de cette émission, de cette deuxième émission de La Base, là on s'apprête dans quelques instants à parler un petit peu d'actualités qui se sont déroulées tout au long de la semaine, donc avec Clémence et avec Brieux, parce que je leur ai demandé avant l'émission de relever une voire deux actualités qui les ont marquées plus que d'autres cette semaine, et donc on va en parler un petit peu entre nous. On va aussi parler potentiellement d'actualités qui vous ont marqué. N'hésitez pas à nous les faire savoir dans les commentaires, et puis après ce petit tour de l'actualité, on accueillera notre grande invité politique du jour, qui est donc Sarah Schlitz, la secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances. Avec elle, on parlera du hashtag balance ton bar, puisqu'après les témoignages, la colère que ça a suscité, le besoin de réponses urgentes sur le terrain politique, et bien justement, on lui demandera à Sarah Schlitz quelles réponses concrètes on peut vraiment mettre en place pour éradiquer le plus possible le problème des violences sexuelles. Et puis après cette discussion avec Sarah Schlitz, c'est Stéphane Rosenblatt qui nous rejoindra dans la dernière partie de l'émission. Stéphane Rosenblatt est journaliste ici à LN24 et consultant, et il était surtout à l'époque de l'affaire Dutrou, il était directeur de la rédaction de RTL TVI, et donc il pourra nous raconter un petit peu les coulisses de cette affaire qui a profondément transformé notre société. Aucun de nous trois autour de la table, peut-être Clémence, toi tu nous disais, était né à l'époque de l'affaire Dutrou, donc en tout cas on était soit pas né, soit très trop jeune, donc on n'a pas vraiment connu cette affaire, on n'a pas pu se rendre compte à quel point elle avait transformé notre société. Et bien Stéphane Rosenblatt va essayer de lui nous expliquer à quel point ça a muté plein de choses dans notre société, entre les médias, le fonctionnement d'autres choses également. Enfin voilà, on verra tout ça avec lui. Voilà pour le sommaire, pour rattraper un petit peu le petit problème technique de son qu'on a pu avoir. Désolé pour ce petit contretemps technique. On parlait là, juste avant de faire un petit tour de l'actualité, on parlait de Elio Di Rupo chez Ginette, donc en boîte à Bruxelles, et qui avait publié une petite vidéo sur TikTok. Clémence, est-ce que ça c'est une arme, un outil de communication aussi pour des personnalités politiques, de se servir de plateformes digitales comme ça qui parlent aux jeunes, et donc justement essayer de les concerner à la vie politique, entre guillemets, même s'il n'y a pas grand-chose de politique dans le fait de mettre une vidéo sur TikTok? C'est ça, je dirais, est-ce que c'est une arme politique? Je dirais un petit peu oui et non. Alors, on voit qu'Elio Di Rupo, il a très bien compris les codes de TikTok. Je veux dire, il utilise la musique, il fait des trucs drôles. Il est aussi assez interactif et tout. Donc ça, c'est très bien, je veux dire, pour communiquer sur TikTok. Maintenant, ça reste de la communication sur sa personnalité. C'est-à-dire qu'il va de temps en temps venir parler un petit peu de mesures et de choses plus politiques, mais vraiment très ponctuellement. Et il a bien compris, en fait, qu'il ne fallait pas, je pense, balancer du discours politique sur TikTok. Et je pense que c'est pour ça qu'il a plus de succès que des députés qui remettent seulement leur intervention au Parlement, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un signe de personnalisation, en fait, de la politique. Donc on se concentre, en fait, sur lui plutôt que sur son parti, ses idées, sur l'idéologie, etc. C'est plus travailler une image de marque, quoi. Ah oui, c'est ça. C'est vraiment la marque Elio Di Rupo qui est travaillée, quoi. Et on voit qu'il y a, en fait, quelques acteurs qui font ça, et même, on le voit de façon générale à Politique Beige sur les réseaux sociaux, c'est un nombre d'acteurs assez limité, en fait, qui occupent la place, quoi. Et donc le but, c'est quand même de se rapprocher des jeunes, d'un public plus jeune en tout cas. Oui, je pense que c'est clairement le but. Maintenant, pas nécessairement, c'est plutôt pour avoir un capital sympathie et se faire connaître en tant que personne. Je veux dire, après, les jeunes vont savoir qui est Elio Di Rupo maintenant, pas nécessairement leur parler des mesures, quoi. Ok.
Intéressons-nous donc maintenant un petit peu aux actualités de la semaine un peu plus sérieuses, entre guillemets, que les vidéos de TikTok d'Elodie Rupo qui nous ont marqué cette semaine. Si vous le voulez bien, si vous m'y autorisez, je vais commencer. Vous n'y voyez pas d'inconvénient ? Non. Merci. Parce que moi j'aimerais vous parler en fait de Facebook qui a annoncé cette semaine, en début de semaine je pense, qu'il allait créer 10 000 emplois au sein de l'Union Européenne, qu'il allait appeler en tout cas environ 10 000 ingénieurs pour travailler sur un projet bien particulier de Facebook. Ce projet quel est-il ? C'est son métaverse. Alors le métaverse, qu'est-ce que c'est ? Et bien en fait le métaverse c'est un petit peu le rêve d'un monde numérique imaginé par Mark Zuckerberg. C'est un monde numérique qui viendrait se combiner au monde réel, à nos interactions sociales comme on l'est par exemple ici ce soir, on se parle, on se voit en vrai. Et bien le métaverse c'est en fait une sorte de reproduction de ce monde-là, mais dématérialisé. Par exemple, un bon exemple qui est pris quand on veut illustrer ce métaverse, concrètement, on pourrait s'imaginer donc utiliser un casque de réalité virtuelle. C'est grâce à cela surtout qu'on peut aller dans le métaverse, dans ce monde numérique dématérialisé. Et par exemple, on parlait d'Elodie Rupo chez Ginette dans une boîte de nuit, mais je pourrais enfiler le casque de réalité virtuelle et me retrouver dans une boîte de nuit avec des personnes qui sont situées à des milliers de kilomètres de moi, et donc d'avoir un semblant, mais du coup presque une véritable interaction sociale avec des personnes qui ne sont pas directement à côté de moi. C'est en fait ça le métaverse, donc le monde numérique imaginé par Facebook et par Mark Zuckerberg. Alors ça c'est arrivé donc en début de semaine parce que Facebook a annoncé vouloir embaucher 10 000 ingénieurs au sein de l'Union Européenne pour développer ce projet, mais ce n'est pas vraiment nouveau tout ce concept. J'ai fait évidemment des petites recherches sur ce métaverse de Facebook. Le métaverse d'une manière plus générale, c'est pas quelque chose qui a été inventé par Facebook, c'est un concept qui est un peu plus vieux que ça, et c'est un concept qui remonte aux années 90, au début des années 90, mais qui n'était pas au début forcément abouti, mais donc cette idée de dématérialiser, de pouvoir faire du lien social sans être présent directement les uns à côté des autres en physique. Donc voilà, c'est quelque chose qui date un petit peu, mais je voulais vous demander quel est, selon vous, actuellement, le meilleur métaverse, le meilleur exemple de métaverse qu'il peut exister au sein de notre société contemporaine. Est-ce que vous avez des petites idées ? Des jeux vidéo comme des MMORPG, World of Warcraft. C'est ça. Tout à fait. En fait, les jeux vidéo en ligne, c'est un très bon exemple de métaverse parce que donc les gens peuvent y jouer ensemble en ligne, mais pas seulement. Il y a par exemple un très bon exemple, c'est celui de Fortnite. Ah oui, Fortnite. Donc ouais. Qui est un jeu vidéo de combat. Donc d'un contre un ou de plusieurs contre plusieurs. J'avoue, moi je ne joue pas à Fortnite, donc je ne vais pas m'avancer trop sur ce terrain-là parce que je risquerais de me faire reprendre à l'ordre par des fans de Fortnite qui me diraient que je raconte n'importe quoi. Donc je n'irai pas beaucoup plus loin sur ce terrain. Mais Fortnite, voilà, c'est un jeu un peu de combat en ligne, d'affrontement en ligne. Mais il y a quelques mois, Fortnite avait organisé un concert virtuel, celui de Travis Scott, donc un rappeur américain, et qui avait rassemblé 350 millions d'utilisateurs qui étaient donc venus non pas pour jouer ensemble, mais pour assister et partager l'expérience d'un concert virtuel ensemble. Et donc ça concrètement c'est un très bon exemple de métaverse, d'événements dématérialisés. Alors je viens de me rendre compte par contre que j'ai fait une petite erreur dans les chiffres. C'est un concert qui avait réuni 12 millions de personnes. J'ai confondu avec le chiffre d'utilisateurs de Fortnite qui est lui de 350 millions. Excusez-moi, c'est évidemment une petite différence qu'il faut quand même évidemment marquer. Mais donc voilà, un métaverse bien connu, c'est par exemple celui de Fortnite. Et puis, j'ai vu également aussi qu'il y a quelques années, Facebook avait un petit peu anticipé sa transition vers son projet de métaverse en achetant Oculus. Oculus qui est donc une société de casques virtuels, c'est la plus connue, c'est le fabricant le plus connu de casques virtuels. Et en 2014, ils avaient donc racheté Oculus pour préparer sa transition vers ce projet de métaverse. On avait vu aussi, peut-être l'année dernière ou il y a deux ans, qu'ils avaient mis en place un partenariat avec Ray-Ban et dans cette même idée de faire des lunettes connectées. Donc voilà, on voit un petit peu, et c'est ça qui je trouve intéressant, on voit que Facebook installe un petit peu les premiers pions de son plan plus général de fabrication de son métaverse, donc son univers numérique. Et donc dernière chose en tout cas en date, la création annoncée de 10 000 postes dans l'Union Européenne pour développer ce métaverse. Voilà, c'était pour mon actualité cette semaine qui m'avait interpellé. Bah c'est super, et je vois d'ailleurs dans le chat, on se plaint dans le chat qu'on ne réagit pas assez à ce qui est dit dans le chat, on s'excuse. Pardon, on va y essayer d'y être attentif. Pour être tout à fait transparent, on a eu quelques petits problèmes techniques en début d'émission, avec le chat notamment qui ne s'affichait pas correctement, donc maintenant il s'affiche et on s'excuse de ne pas vous avoir trop interpellé dans un premier temps, mais effectivement n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et à nous parler des actualités que vous aimeriez voir
traiter. Donc bonjour à tous, j'ai vu que Mathéus était déjà de retour, qui était déjà très fidèle la semaine passée, merci d'être de retour. Le Bux aussi qui est là, le Bux qui, on le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est Martin Buxon, le rédacteur en chef d'Hélène 24, notre patron du coup, qui nous observe. Gaffe, les gars, tenez-vous bien. Toujours surveillé comme la semaine passée, mais ça nous fait plaisir qu'il soit là quand même. Mais on vous promet qu'on va être plus attentif au chat. Évidemment, soyez également un petit peu indulgents avec nous. C'est la deuxième émission de la base. Donc, tous ces réflexes de pouvoir aussi lire vos commentaires et les partager et y réagir, c'est aussi expérimental pour nous. Donc, on apprend tous un peu en même temps avec cette émission. Mais on vous promet d'y être plus attentifs par la suite. Vos actualités à vous, les amis. Je vais déjà me tourner vers Brieux. Brieux, on se rappelle, alors pour ceux qui étaient déjà avec nous la semaine passée, que tu nous avais parlé notamment, pas que, mais de Stromae qui effectuait son grand retour sur le devant de la scène musical. Alors j'imagine que cette semaine, tu vas venir nous parler d'Angèle, qui a fait aussi son retour. Alors effectivement, ça ne vous aura pas échappé que Angèle a fait son grand retour avec un nouveau single, Bruxelles, je t'aime, qui est sorti, le premier single sorti depuis celui qu'elle avait fait avec Dua Lipa, donc depuis quelques années déjà. Alors je ne vais pas vous parler de ça, mais ça, il y a quand même un lien parce que je vais vous parler d'un phénomène d'embouteillage dans les marchés mondiaux. Donc on voit ici les artistes, c'est pas un hasard qu'il y ait tant d'artistes qui sortent des nouveaux singles, des artistes très connus qui sortent tous en même temps. D'habitude ils essaient quand même de pas trop se marcher sur les pieds. La semaine dernière on avait Stromae, Coldplay, Adele, cette fois-ci Angèle. Ça montre aussi un phénomène d'embouteillage à la sortie du Covid. Pendant quelques années, enfin pendant plusieurs mois, voire années, ils ont été un petit peu paralysés par la situation sanitaire. Et donc, il faut un peu remettre la machine. Et donc, il y a embouteillage à la sortie. Et ça, c'est quelque chose qui se passe aussi sur les marchés internationaux, parce que les pénuries sont de plus en plus, se multiplient un petit peu partout dans le monde. On a des pénuries d'outils technologiques, de meubles. D'ailleurs, petite anecdote, on a récemment donc aménagé le studio ici, c'est tout nouveau. On s'est donc fourni en meubles dans une marque, un magasin de meubles suédois bien connu. Et il y a un certain nombre de fournitures qui sont en rupture de stock un peu partout. Donc c'est très difficile de se procurer des meubles. On a eu la même situation avec du matériel audiovisuel, des caméras qui n'arriveront seulement que dans quelques mois. Et en fait, ça, c'est symptomatique d'un phénomène qui se passe sur les marchés et sur toutes les chaînes de production partout dans le monde qu'on est en train de pouvoir observer pour le moment, que ce soit dans les voitures, dans les nouvelles technologies, mais aussi dans les matières premières comme le bois, par exemple. Et tu en avais déjà parlé l'année dernière avec un décryptage qui était autour de la PlayStation 5, je pense, par rapport aux puces électroniques aussi, par rapport aux puces électroniques. Donc là, le phénomène était aussi lié au Covid, parce que le dénominateur commun qui génère ça, c'est évidemment le Covid, même s'il y a d'autres facteurs qui créent un peu un effet de domino, un effet de cascade qui se répand un peu partout dans le monde. Mais effectivement, les puces électroniques, donc qui sont les petits composants qui sont les cerveaux en fait de tous nos appareils du quotidien, donc évidemment les téléphones, les ordinateurs, mais de plus en plus de choses comme les aspirateurs, les frigos, les caméras, etc., ben ça, c'est très difficile à fabriquer. Et donc il y a quelques entreprises qui sont capables de le faire, qui ont été un peu bousculées par la pandémie. Donc le temps qu'elles se remettent en marche, ça prend du temps, ça crée des pénuries. Et donc il y a eu beaucoup de retard sur des outils technologiques. Mais c'est quelque chose qui se manifeste à tous les niveaux. Par exemple, on a parlé de problèmes de matières premières en bois. Et ben, le fait qu'il n'y ait pas de bois, ben, ça a des effets sur toutes les chaînes de production, parce que ça veut dire que c'est plus difficile de fabriquer des palettes de transport, et que donc c'est plus difficile d'acheminer des marchandises dans des cargos, dans des bateaux, qui eux aussi sont embouteillés parce que les ports ont été à l'arrêt. Donc tout le système logistique mondial est un petit peu gangréné pour le moment, et ça montre bien la manière dont le monde est très connecté aujourd'hui, avec des choses qui sont fabriquées à l'autre bout du monde, qui sont acheminées ici par des systèmes de logistique très complexes mais très efficaces, qui permettent d'avoir des trucs à disposition très facilement, mais qui, quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage, se braque vite et rend tout plus compliqué. Et ça pousse certains politiques, évidemment, à se reposer la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas repenser la manière dont on produit certaines choses, dont on s'apprivoise, s'approvisionne de quelque chose, de ramener des usines ici en Europe, etc. Donc c'est un phénomène assez intéressant à observer, et surtout avec comme grande question, qui était d'ailleurs à la une de Libération cette semaine, y aura-t-il des jouets pour Noël ? Ça devient une vraie crainte dans le secteur de la grande distribution. La question reste en suspens. Merci Brieux pour ton actu et pour ton explication claire. Je vois que le temps file à une vitesse beaucoup plus rapide que ce que j'imaginais. Et donc je vais me tourner vers Clémence qui va nous parler de son actualité, qui est une actualité en plus plutôt politique, ça tombe bien, puisque dans quelques minutes, pour rappel, on va accueillir Sarah Schitz, la secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances. Toi Clémence, ton actualité cette semaine dont tu voulais nous parler, c'est une actualité
plutôt politique, donc je le disais. Quelle est-elle, cette actualité ? Oui, bah, c'est une actualité qui, je pense, va intéresser notre chat. C'est le fait que désormais, les jeunes à partir de 16 ans, les jeunes belges ou les jeunes résidents en Belgique qui sont européens pourront voter pour les élections européennes. Alors que normalement, en Belgique, on vote à partir de 18 ans. Mmh. Et donc ça, c'est vraiment une... Il y a eu un appel, en fait, de l'Union européenne à ouvrir le vote aux plus jeunes dès 16 ans. Et donc, il y a l'Autriche et Malte qui avaient déjà passé le cap en le faisant. Et donc, hier, il y a eu la présentation au Conseil des ministres, donc à la réunion qui réunit tous les ministres du gouvernement au niveau fédéral. Cet avant-projet qui a été présenté, donc c'est quelque chose qui doit encore passer au Parlement. Ah oui, c'est pas encore fait, quoi. Okay. Oui, c'est ça. Et c'est très, très intéressant. Hein. C'était une revendication qui venait particulièrement des partis écologistes. Donc, Écolo Groen avait déjà déposé des propositions en ce sens. Et donc là, c'est assez intéressant parce que ça montre aussi qu'à partir de 16 ans, tu peux avoir une conscientisation politique, je dirais. Et c'est une façon aussi de montrer la confiance dans les jeunes. Du coup, je pense que ça pourrait participer à les reconnecter à la politique. Mais donc, le vote à 16 ans, est-ce qu'il deviendrait alors obligatoire si on se projetait un peu et que ce projet de loi se transformait en une véritable loi? Est-ce que ce serait un vote obligatoire ou pas? Non, alors c'est pas obligatoire. L'idée, c'est que pour avoir ce droit de vote, il va falloir aller s'inscrire en fait à la commune sur un registre d'électrices, d'électeurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut poser problème, le fait d'avoir cette étape, parce que du coup, peut-être qu'on va avoir surtout des jeunes qui sont déjà sensibilisés à la question politique, donc par exemple des jeunes qui en parlent en famille, etc. Et donc là, je pense que le gouvernement va devoir faire un travail en fait de com pour aller chercher tous les jeunes et pour que ça soit vraiment démocratique en fait et que toutes et tous les jeunes puissent se prononcer. Mais donc c'est pas obligatoire. Par contre, une fois qu'on est inscrit à la commune, là, il faut y aller. D'accord, Merci Clémence pour ton explication. N'hésitez pas aussi à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous seriez, vous, pour ou contre le droit de vote à partir de 16 ans pour les élections européennes? Et je vois dans le chat qu'on demande, Mathéus nous demande, c'est qui la jeune femme qui intervient? Eh bien, c'est Clémence. Je la présentais au début de l'émission. Je peux te représenter, Clémence. Tu es donc, toi, doctorante au centre d'études de la vie politique à l'ULB. Et donc, tu fais partie de la team, tu fais partie de la base pour notamment nous apporter tes connaissances, tes analyses, ton regard sur les actualités politiques, sur les questions politiques. Voilà, c'est ça, oui. Je ferai des petits points institutionnels, on va dire, parce qu'on sait que c'est très compliqué en Belgique. Et donc, si je peux aider à vulgariser un petit peu le truc, je fais avec plaisir. Merci beaucoup de ton aide. Et ton rôle, eh bien, s'apprête à être encore plus crucial dans quelques instants, puisqu'on va faire une première pause dans notre émission, le temps de faire des petits changements autour de moi. C'est Sarah Schlitz, donc la secrétaire d'État en charge de l'égalité des genres et des chances, qui va nous rejoindre, qui va te remplacer, Brieux. Toi, Brieux, tu vas revenir ensuite pour la fin de l'émission. Et en effet, on va faire une très courte pause, beaucoup plus courte, c'est promis, que celle de la semaine passée. On a appris de nos erreurs, donc on va faire des pauses beaucoup plus courtes. Laissez-nous quelques minutes, juste le temps de faire ces petits changements, et on est de retour avec Sarah Schlitz pour parler de Balance ton bar, mais surtout de quelles réponses sur le terrain politique peut-on apporter, eh bien, pour éradiquer ce problème des violences sexuelles en Belgique. On se retrouve tout de suite dans la base pour la deuxième partie de l'émission avec Sarah Schlitz. Rebonjour, rebonsoir, vous êtes toujours dans la base pour notre deuxième partie, la partie politique cette fois. Alors, notre sujet politique ce soir, quel est-il? Eh bien, on va s'intéresser à Balance ton bar. Après les témoignages d'agressions sexuelles dans des bars en Belgique, l'heure est aux réponses, aux besoins de réponses urgents pour transformer la colère autour de tous ces témoignages sur le terrain politique. Et ça tombe bien parce qu'on va parler de tout ça avec la secrétaire d'État en charge de l'égalité des genres et des chances, Sarah Schlitz. C'est la deuxième partie de l'émission de la base et c'est tout de suite. Et donc, à mes côtés, nous a rejoint Sarah Schlitz. Bonsoir Sarah Schlitz, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, enchanté, merci. Vous prenez part donc à la deuxième émission, deuxième épisode de La Base. Merci beaucoup de vous joindre à cette émission un peu particulière, parce que donc on est en direct sur Twitch et sur YouTube. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez réagir dans les commentaires et nous poser aussi toutes vos questions. On fera tout pour y répondre au maximum et donc jouer le jeu de vos interactions. Et puis, à mes côtés, il y a aussi toujours Clémence. Merci Clémence d'être toujours là. Pas de soucis, c'est tout normal. Tout se passe bien, la première partie s'est bien passée? Oui, oui, j'ai envie de rester, donc c'est que tout se passe bien alors. Merci. C'était ta première également pour toi ce soir. Oui. Sarah Schlitz, déjà, j'aimerais savoir
simplement comment s'est passée votre semaine. Est-ce que c'était une semaine chargée au niveau travail, au niveau politique, j'imagine très chargée par le sujet dont on va aussi parler ce soir, qu'on va évoquer. Ce sujet-là, c'est Balance ton bar. Mmh. Il y a eu aussi une réunion cette semaine que vous aviez convoquée en urgence avec les ministres de la Défense et de la Justice. On va en reparler. Mais cette semaine, rapidement, comment elle s'est déroulée? Donc c'est une semaine avec beaucoup de sollicitations, mais en même temps, c'est positif parce que moi, je travaille sur les questions de violences sexuelles depuis le début de mon mandat. Et ce n'est pas un sujet qui est fréquemment mis vraiment au devant de la scène. Et donc moi ici, le fait qu'il y a une préoccupation dans la société, évidemment les dénonciations avec les manifestations qu'il y a eu la semaine dernière et encore hier soir, mm-hmm. Moi je suis en plein cœur d'un sujet de société qui me préoccupe et qui me passionne en même temps. Et donc ouais. C'est fort sollicitant et en même temps je me sens vraiment utile mm-hmm. et dans la proactivité. Donc, voilà, c'est un bon moteur. Recontextualisons un petit peu aussi toute cette affaire autour du hashtag Balance ton bar, qui est donc un mouvement né au départ par l'émergence de témoignages d'agressions sexuelles, au départ dans un lieu plus précis, un quartier de Bruxelles, le quartier donc appelé le cimetière d'Ixelles. Donc plusieurs bars ont été épinglés de problèmes donc d'agressions sexuelles dans ces bars-là. Et puis c'est ensuite un mouvement qui s'est élargi à d'autres quartiers de Bruxelles, à d'autres villes de Belgique, et donc qui ont fait part de violences sexuelle. Actuellement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur les villes touchées en Belgique ou sur ce que ça représente en termes de nombre? Ou est-ce que pour l'instant, on est toujours dans la phase aussi où on est impressionné par le nombre de témoignages qui arrivent sans trop pouvoir encore quantifier l'ampleur du problème? Alors, moi, je pense que la question des violences sexuelles, elle n'est pas nouvelle. Ouais. Et elle n'est pas isolée au quartier du cimetière d'Ixelles. Moi, je ne suis pas étonné par ce que je lis. Clairement, il y a un phénomène d'ampleur, mais... Voilà, quand on travaille déjà sur les questions de violences sexuelles au quotidien et qu'on est un tant soit peu à l'écoute de ses amis ou d'étudiantes, comme par exemple beaucoup d'étudiantes que j'ai rencontrées notamment dans le cadre des mouvements Balance ton folklore, on n'est pas surpris par ce qu'on entend. Mmh. Voilà, et par contre, ce que je trouve intéressant ici, c'est la capacité des victimes à se faire entendre, enfin, parce que beaucoup parlaient déjà en fait, mais n'étaient pas forcément écoutées, la mise en réseau et le fait de se structurer pour... dire maintenant ça suffit, il faut des mesures et en fait ça doit plus être accepté. Ouais. Parce qu'en fait le problème c'est la banalisation de ces violences. Mmh. Voilà. Et vous le disiez, vous le mentionnez avec le mouvement Balance ton folklore. Pour rappel, donc Balance ton folklore, c'est un mouvement qui lui était né plutôt l'année dernière et dans les milieux universitaires et donc qui faisait état aussi du problème de ces violences sexuelles, mais donc de ces violences sexuelles plutôt dans la sphère universitaire. Et donc c'est là-dessus que le point commun en tout cas entre Balance ton bar et Balance ton folklore, c'est qu'il s'agit donc de problèmes de violences sexuelles dans des sphères différentes, mais ça la preuve aussi ça. Que ça touche... mais que ça touche différents pans de la société. Et puis on le disait, la dernière actualité en date finalement autour de ce mouvement, ce sont les manifestations, la manifestation d'hier soir organisée à Ixelles. Je crois savoir que vous y étiez, Sarah. Ouais, c'est bien ça. J'étais là. Une manifestation donc pour réclamer, alors je pense, vous arrêtez-moi si je me trompe, mais donc qui s'organisait bien pour réclamer désormais des réponses concrètes sur le terrain politique pour en effet éradiquer ce problème des violences sexuelles. C'était bien ça l'objectif de cette manifestation. Bien sûr. Et donc moi j'y suis allée pour entendre les manifestantes, écouter les revendications, parler avec des victimes aussi qui étaient sur place et qui ont besoin de réponses. Et donc pour moi c'est vraiment fondamental de rester connecté avec le terrain, avec la société civile. Et donc voilà, j'ai pu échanger avec beaucoup de personnes qui étaient là et qui ont évoquer une nécessité d'agir plus vite et je trouve aussi qu'ils permettent d'affiner en fait les constats qu'on connaissait déjà. Donc c'est vraiment fondamental d'avoir ce genre de mouvement. Il y a évidemment déjà des choses qui se faisaient depuis le début de la législature. Ouais. C'est une priorité. Je travaille à la création de nouveaux centres de prise en charge de victimes de violences sexuelles. Donc il y en a déjà 3 en Belgique. Il y en aura 7 en plus à la fin de la législature. Donc 10 en tout à la fin. Donc un réseau de 10 centres, et ces centres, c'est des centres qui ont la particularité d'avoir un accueil pluridisciplinaire des victimes, donc à la fois un accueil médical, ça c'est la base, et ça se trouve en milieu hospitalier, toujours, un accueil psychologique, et aussi la présence de policiers formés pour recueillir la plainte des victimes. Et ça c'est vraiment fondamental. On observe une augmentation très forte du nombre de dépôts de plaintes quand les victimes passent par ces centres. Mmh. Et donc ça, voilà, il faut les étendre, il faut aussi renforcer les centres actuels qui, pour le moment, ressentent une augmentation du nombre de victimes qui se présentent. Et c'est une bonne nouvelle aussi que les victimes trouvent le chemin de ces centres. Et puis on travaille aussi sur la réforme du code pénal, sur le plan de lutte contre les violences de genre. Donc ça c'est tous des dossiers qui sont en cours. Mais moi ici, entendre les spécificités des violences qui sont dénoncées dans le cadre de Balance ton bar, ça me permet d'affiner les besoins.
Moi, j'avais déjà des chiffres, par exemple, du côté du CPVS, enfin des CPVS en général. On sait que le groupe majoritaire des victimes qui se présentent dans les CPVS a entre 18 et 23 ans. Et donc là, on recoupe complètement le public universitaire. Oui, c'est ça, dont on parlait. Et donc on voit bien qu'il y a quand même un gros souci entre le milieu festif, le milieu estudiantin. C'est un terreau favorable aux violences sexuelles. Et donc on voit qu'il y a une nécessité d'agir à ce niveau-là. Et donc c'est à ce titre que j'ai en effet convoqué une réunion pour échanger des informations et voir quelles pistes on pouvait suivre avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice et avec le bourgmestre d'Ixelles pas plus tard qu'hier. Et si vous prenez aussi toutes ces questions des violences sexuelles, c'est parce que ça fait partie de votre portefeuille, de vos compétences en tant que secrétaire d'État à l'égalité des genres et des chances. Et avant de revenir encore sur le fond du problème, j'aimerais me tourner vers toi Clémence, parce que finalement il y a quelque chose qui pourrait passer un peu comme ça inaperçu, mais vous êtes donc secrétaire d'État et pas ministre. Et du coup, j'aimerais bien savoir, et c'est peut-être aussi la question que se pose notre public ce soir, c'est quoi la différence entre une secrétaire d'État et un ou une ministre ? Oui, bah c'est le moment du petit point institutionnel. Alors, la différence, je pense qu'au niveau du travail au quotidien, c'est pas fondamentalement différent. Maintenant, dans l'officiel, si on prend juste au niveau fédéral, parce que je pense que si on commence à aller chercher dans les autres niveaux, ça devient trop compliqué. On va vous épargner pour l'instant. On va épargner ça. Dans la constitution belge, il est noté qu'il peut y avoir maximum 15 ministres dans le gouvernement. Et du coup, par contre, il n'est pas noté combien est-ce qu'il peut y avoir de secrétaires d'État. Donc ça permet aussi d'avoir une certaine flexibilité. C'est-à-dire que la société belge évolue. Donc des fois, on a besoin de certaines compétences dont peut-être on avait... peut-être pas besoin avant, ou alors c'était pas assez présent dans l'espace public. Donc par exemple, Madame Schlitz, elle est secrétaire d'État à l'égalité des genres. Peut-être qu'avant, on parlait pas assez de cette question-là, donc on se rendait pas compte qu'on avait besoin de quelqu'un qui soit en charge de ces questions. Oui, on se rendait pas compte de la nécessité peut-être d'apporter plus d'importance à la question du genre et de l'égalité des genres. C'est exactement ça. Et du coup, là, on ajoute, on va dire, un secrétariat d'État. Et donc, les secrétaires d'État sont attachés, en fait, à des ministres. Donc, Madame Schlitz, si je ne me trompe pas, c'est au ministre de la Mobilité. C'est mon ministre. En fait, maintenant, les secrétaires d'État sont rattachés au ministre de la même couleur politique. Ok, d'accord. Facilité, ah oui, donc c'est Monsieur Gilles Quinet, ok. Mais en fait, il ne relie pas vraiment mes dossiers. Oui, c'est pas votre professeur, quoi. Non. Après, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais en tout cas, chez nous, il me laisse pleine autonomie, quoi. Ok, ça c'est déjà un premier élément d'explication. Ensuite, officiellement, les secrétaires d'État ne participent pas au Conseil des ministres. Donc c'est cette réunion, j'en parlais tout à l'heure, où chaque semaine, les ministres du gouvernement fédéral se réunissent pour parler de l'orientation politique générale du gouvernement. Par contre, en pratique, je pense que sur certains dossiers, ils peuvent intervenir. Et donc ici, quand il est question d'égalité des genres et des chances, c'est vrai que peut-être on peut regretter qu'il n'y ait pas un ministère, parce qu'au niveau symbolique... On peut créer un ministère, c'est clairement un choix, c'est un choix politique qui est posé. Et on peut peut-être regretter, je ne sais pas ce que vous en pensez, que ça soit qu'un secrétariat d'État, parce que c'est aussi un choix symbolique de se dire on va créer un ministère en disant c'est une compétence importante, donc on fait en sorte qu'il y ait une ou un ministre. Et d'autant plus, je compléterai juste ta question de savoir si vous regrettez ou pas que cette compétence de l'égalité des genres et des chances ne soit simplement entre guillemets qu'un secrétariat d'État. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal qu'on sait que ce gouvernement actuel a fait, et de votre initiative aussi, la question des violences sexuelles une priorité? Est-ce que c'est pas un peu paradoxal que finalement ce ne soit pas encore lié à un ministère, cette question-là de l'égalité des genres et des chances? Je crois qu'on avance par étapes. Et donc, comme Clémence le disait auparavant, c'était même pas forcément mentionné dans les titres des ministres. Et puis ça a été mentionné dans certains gouvernements, mais juste égalité des chances en plus de 4 ou 5 autres compétences. Et donc au final, dans les forces se vivent au sein des cabinets, c'était pas forcément une priorité qui était mise. C'était peut-être une personne ou deux qui travaillait sur ce sujet-là. Ici, il y a, comme elle le disait tout à l'heure, la volonté politique d'avoir un vrai focus sur l'égalité des chances et des genres en créant un secrétariat d'État uniquement dédié à ces questions. Donc ça veut dire que tout mon personnel politique est mobilisé sur l'égalité des chances et des genres. Et ça, c'est un énorme basculement. Vous n'êtes pas frustré, vous, de ne pas avoir de ministère encore Je ne suis pas frustré. Je pense qu'à ce stade, c'est déjà une belle avancée. Okay. Et c'est aussi des matières hyper transversales. Donc on travaille en permanence avec la justice, avec l'intérieur, mais aussi, pas plus tard qu'il y a quelques mois, avec le ministre Vandenbroek, on a réalisé un folder sur les violences sexuelles à destination des médecins pour leur permettre d'appréhender les violences sexuelles quand ils y sont confrontés
sur des patientes. Et donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire à chaque fois de façon transversale. Donc voilà, il y a vraiment un travail qui est fait. C'est aussi le premier gouvernement paritaire. Donc je pense qu'il y a quand même tout un changement qui est en cours au niveau fédéral, qui n'avait pas encore eu lieu auparavant. Quoi. Voilà. Okay. Mais moi, je suis partante la prochaine fois pour un vrai ministère et un vice-premier ministre. Ça, je crois que c'est important aussi, parce que Clémence n'en a pas encore parlé, mais voilà, la question de savoir, la grosse différence quand même dans le gouvernement, c'est entre les vice-premiers ministres qui sont au Cairn et qui se réunissent vraiment toutes les semaines, mais plusieurs fois par semaine, et où les grosses décisions se prennent. Et donc qui ont un rôle encore plus important. C'est des rôles déterminants, vraiment. Oui, le Cairn, conseil des ministres restreint, donc c'est encore plus. Moi, je dirais que le summum, ça serait D'avoir sa place ici. Vice-premier, vice-première, qui aurait l'égalité dans ses compétences. On connaît votre ambition, ce soir. Voilà. Il y a une première question, là, je vois dans le chat par rapport à nos discussions. Jim, je pense, donc c'est le prénom de notre intervenant. Se demande s'il y a un modèle ou un pays référence pour la lutte contre les violences sexuelles. De qui pourrions-nous ou devrions-nous peut-être prendre exemple? Est-ce qu'on a des exemples? Est-ce que vous-même aussi, dans votre mission tous les jours, vous vous inspirez peut-être de certains collègues ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde par rapport à cette thématique-là des violences sexuelles? Alors, en réalité, c'est plutôt la Belgique qui est un modèle. Donc, ça peut sembler paradoxal vu les problèmes qu'on voit aujourd'hui. Voilà, exactement. Mais en fait, on est déjà bien avancé, notamment avec les centres de prise en charge. C'est quelque chose d'unique. Qui n'existe pas en France, c'est vrai, par exemple, on comparait la semaine dernière, on en parlait un petit peu, ça n'existe pas en France. Et donc, par autant l'Espagne est citée en exemple sur les violences intrafamiliales, où ils ont beaucoup avancé. Ils ont aussi réformé la notion de consentement, donc avec la loi Solo CSI. Mais par exemple, sur la prise en charge des victimes, on est pionnier. Et donc, par exemple, la ministre de l'Égalité espagnole est venue il y a quelques mois visiter justement le centre de prise en charge de Bruxelles pour s'inspirer du modèle et essayer de convaincre ses partenaires de majorité de débloquer des fonds pour créer des centres similaires en Espagne. Donc on est plutôt dans une dynamique de ce type-là sur les violences sexuelles. Mais donc ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, en étant un pays pionnier dans cette question, dans la lutte contre les violences sexuelles, ça veut dire que ce n'est même pas suffisant, parce qu'on le voit encore aujourd'hui, il y a de nombreux témoignages, ça a été Balance ton folklore, ça a été Balance ton sport aussi qui y avait fait référence, aujourd'hui Balance ton bar, le prochain on se demande qu'est-ce que ça va être, mais on se dit que ça va peut-être encore toucher d'autres sphères de la société. Ça veut dire qu'en étant un pays pionnier dans cette lutte contre les violences sexuelles, ça ne suffit même pas. Est-ce qu'on arrive quand même à garder espoir? Est-ce qu'on peut éradiquer ce problème des violences sexuelles malgré tout? Je pense que justement, le fait qu'il y a des dénonciations, qu'il y a une libération de la parole, fait de nous un pays qui est plus avancé que d'autres. Je pense que le plus inquiétant, c'est les pays où on n'en parle pas, parce qu'on ne fera croire qu'il n'y a pas de violences sexuelles, au contraire. Et donc je crois que le fait justement d'avoir avancé, de permettre des espaces de libération de la parole, etc., ça fait de nous un pays où les victimes peut-être vont être davantage écoutées. Et voilà, il y a un peu un mouvement d'entraînement entre des choses qui sont faites, les victimes qui disent ça doit aller plus loin, et puis d'autres prises de conscience au niveau politique, etc. Donc voilà, moi je ne prendrais pas comme un point négatif, mais plutôt une urgence. Et voilà, le fait de porter la voix, ben évidemment, je trouve que c'est, moi, dans mon travail, fondamental. Et justement, en parlant d'urgence, alors voilà, cette semaine, vous avez convoqué une réunion, vous commenciez à le mentionner, donc avec les ministres de l'Intérieur et de la Justice, c'est ça. Qu'est-ce qui en a découlé de cette réunion? D'abord, pourquoi est-ce que vous l'aviez convoqué, cette réunion-là? Et puis, donc, qu'est-ce qui en a découlé? Parce qu'on le disait, là, l'heure maintenant est au besoin de réponses urgentes. Est-ce qu'il y a eu des solutions avancées et des réponses, justement, concrètes? Oui. Mais donc, pour moi, c'est important de se coordonner entre l'Intérieur et la Justice. On travaille très souvent ensemble. C'est une thématique qui préoccupe énormément et le ministre Van Quickenborne et la ministre Verlinden. Et donc, c'est important pour moi de les associer aux démarches que j'entreprends et de pouvoir me coordonner avec eux s'ils entreprennent des démarches. Donc ça, c'est un peu la base, c'est un peu la bonne gouvernance. C'est ce qu'on devrait, je trouve, toujours faire sur les dossiers. Et donc, on a pu notamment échanger sur les enquêtes en cours. Bon, c'est des informations qui sont confidentielles à ce stade, mais c'est plutôt rassurant. Moi, les chiffres que j'ai du côté des CPVS... et puis on a également pu évoquer la question spécifique des campus, et donc on s'est accordé sur la mise en place d'un projet pilote sur les questions de violences sexuelles sur les campus en lien avec les CPVS, et voir comment on peut mieux articuler. Donc les campus universitaires? Ouais, les campus universitaires, ouais. Ou haute école, donc ça c'est aussi une intention qu'on a. Et donc là on va se revoir pour affiner
le modèle, mais c'est vraiment un objectif à la fois de prévention, de prise en charge, et vraiment avec la victime au cœur des dispositifs. Ça, c'est vraiment, vraiment fondamental. On a une question dans le chat, c'est le Bux qui revient sur le fait qu'on disait tout à l'heure que vous avez donc manifesté hier soir à XL, et qui demande si, ben, finalement, en manifestant, vous envoyez finalement un message à vous-même, puisque c'est vous qui avez la compétence, en tout cas le pouvoir de potentiellement faire bouger les choses par rapport aux violences sexuelles. Mais donc, est-ce que vous manifestez contre vous-même hier soir? Oui, bien sûr. Non, je rigole. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, pour moi, c'est important d'être sur le terrain et d'écouter. Et donc, s'il y a justement un message qui m'est adressé, mais que je reste chez moi, alors je vois pas très bien comment je peux l'entendre. Et donc, justement, c'est important d'aller sur place, d'écouter, de pouvoir aussi répondre à certaines questions qui sont complètement légitimes dans le chef et des victimes et des manifestantes qui sont en colère. Et donc ça, moi, c'est complètement ma manière de faire de la politique et pas de manifester contre moi-même. Et vous m'entendrez jamais dire « Ah, j'y étais en tant que citoyenne ». Parce que je suis pas du tout pour la confusion des rôles. À un moment, on a un mandat comme celui-ci, on l'assume pleinement. On commence pas à embrouiller les citoyens et les citoyennes sur « Ah non, ici, je suis dans un cadre privé ». Non, moi, j'assume complètement le fait que c'est pas quelque chose de dissociable. Mais par contre, être sur place, être sur le terrain, quand des personnes s'expriment sur des sujets qui sont ceux sur lesquels je travaille, ça me paraît fondamental. Et mais l'inverse devrait m'être reproché si je restais chez moi et que je n'étais pas là. C'est vrai que participer à une manifestation, c'est donc... pas non plus, ou en tout cas y assister, c'est pas un acte anodin, dans le sens où vous pourriez entendre les messages qui y sont portés sans pour autant aller directement sur le terrain ou par exemple recevoir une délégation. Mais en fait, je dis ça pour en savoir un peu plus aussi sur votre rôle et puis les valeurs aussi que vous défendez. Est-ce que vous êtes une secrétaire d'État, une femme politique et une militante aussi, presque une activiste? Ou est-ce que vous êtes simplement une femme politique mais qui va simplement assister à une manifestation là-dessus? Est-ce que vous clarifiez un peu votre rôle aussi? Ou est-ce que... Et moi, comment vous situez en fait? Je suis très claire par rapport à mon rôle. Donc moi, j'ai des valeurs que je poursuis dans le cadre de mon mandat ici, mais comme j'ai aussi poursuivi ces valeurs en tant que parlementaire de l'opposition ou en tant que conseillère communale par avant ou en tant que militant dans les milieux environnementaux et autres. Et donc, à travers mon mandat, évidemment, je poursuis un projet de société inclusif où il n'y a plus de violence envers les femmes. C'est logique. Enfin, je veux dire, et je trouve que c'est aussi ça qui est reproché aux politiciens, c'est de ne pas avoir de colonne vertébrale politique, de ne pas savoir en fait où ils vont, de changer d'avis comme de chemise en fonction des sondages. Moi, c'est pas mon cas. Voilà, et donc ça, je crois que c'est aussi une manière de reconnecter la population, les citoyens, les citoyennes aux politiques, c'est en ayant des personnes qui croient en ce qu'ils font et qui sont aussi capables d'écouter. Quand je vois ce qui ressortait de la dernière enquête Bye Bye Démocratie, c'est vraiment effrayant ce qui en ressort. C'est vrai qu'il y avait une déconnexion les citoyens, les médias et les politiques aussi parfois. Et j'entendais des gens dire mais si seulement ils descendaient sur le terrain en disant les politiques deux trois fois par an pour écouter ce qu'on a à dire. Mais moi je rencontre des gens 4, 5, 6 fois par semaine. Je suis sur le terrain, je vais rencontrer les travailleurs, les travailleuses dans les centres d'accueil des victimes. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui nourrit mon travail, qui me permet d'être connecté aux enjeux et aux urgences. Et donc voilà, ça c'est clairement ma manière de faire. Et je pense qu'on a besoin de faire de la politique comme ça. Parce que sinon, on est dans un système qui... dans lequel les citoyens n'ont plus confiance. Voilà. On a une autre question dans le chat de Giroche97 qui vous demande qu'est-ce que vous pensez de la venue de la police hier soir pour protéger les deux bars du cimetière d'XL. Est-ce que ça ne serait pas un mauvais message qui serait envoyé? Une réponse par rapport à cette question. Bah ça, du coup, moi, j'y étais pas. Et donc voilà, moi je ne vais pas me prononcer sur ce qui s'est passé, c'est de la compétence de la zone de police Bruxelles-XL. Voilà, moi je comprends la colère en tout cas des manifestantes qui ont envie d'envoyer un message au bar en question. Voilà, mais... Est-ce que, alors pour revenir aussi sur le terrain politique et cette façon aussi de se reconnecter avec les citoyens, d'avoir de véritables valeurs et de les défendre, est-ce que c'est pas finalement frustrant pour du coup une femme politique comme vous qui affirmez avoir vos valeurs et défendre l'égalité des genres tout simplement et combattre aussi les violences sexuelles? Est-ce que c'est pas frustrant de faire partie d'un système politique qui parfois, dans l'imaginaire collectif, et c'est aussi parfois une réalité, est finalement très lent dans la mise en place de réponses et de mesures concrètes? On a le système, en effet, il faut faire avec le système tel qu'il fonctionne. Maintenant, je vois qu'on m'appelle, mais je termine juste cette réponse-ci, puis je vais devoir vous laisser, vraiment désolé. Mais voilà, moi, je pense qu'ici, on est dans un vrai momentum pour avancer sur les questions d'égalité, de lutte contre les violences sexuelles, de lutte contre les violences de genre. Et donc,
ici, moi en tout cas, je mettrai tout en œuvre. Mmh. Et peut-être que ça prendra du temps, et parfois c'est frustrant. Mais en tout cas, j'observe qu'il y a des vrais leviers qui sont notamment présents dans l'accord de majorité. Donc ça, ça aide pour avancer et faire changer les choses. Alors ça sera jamais suffisant pour éradiquer les inégalités. Mais voilà, moi je sens en tout cas que les choses bougent sur le terrain. On a plein de projets qui sont en cours et qui vont aboutir dans les prochaines semaines, mois et années. Et ça, ben, je me dis... C'est rien de perdu en tout cas. Mmh. C'est que ça va que dans le bon sens. Alors après, on aurait toujours envie de faire plus. Mais voilà, on fait avec les contraintes et on essaye de pouvoir les dépasser quand c'est possible. Il y a peut-être une toute petite dernière chose que je voulais aborder si vous nous l'accordez. C'était simplement, je voulais venir aussi sur le rôle en tant que femme politique aussi. Est-ce que parfois vous avez subi des freins, des barrières dans le fait de mettre en place certaines choses parce que vous étiez une femme politique ou pas? Et avant de me tourner vers vous, j'aimerais savoir avec Clément si on en sait un peu plus aussi par rapport à ça, par rapport aux femmes politiques et parfois les discriminations qu'elles peuvent subir ou pas parce qu'on a parfois l'imaginaire aussi d'un pouvoir qui doit être dominateur, très viril, etc. Est-ce qu'on en sait plus par rapport à ça aussi? Ben oui, mais la sphère politique, effectivement, elle reste toujours très très masculine, et les qualités qui sont mises en avant, c'est l'idée d'un grand tribun qui effectivement est très viril et doit faire le gros dos. Et c'est des compétences qui sont assez valorisées. Donc la question, en plus d'avoir plus de femmes en politique, parce qu'effectivement dans les hauts postes on n'en voit pas beaucoup, on a eu une seule première ministre, je veux dire, au niveau des régions, on n'a pas encore eu de ministre-présidente de région, or que c'est fondamental puisque les régions ont de plus en plus de pouvoir en Belgique. Et c'est l'idée aussi de créer une façon d'exercer le pouvoir qui soit plus inclusive. Et effectivement, le sexisme en politique est toujours extrêmement présent. Enfin, on l'a vu rien que la semaine passée, un député NVA qui a mentionné une jeune blonde, je pense, qui lui faisait une remarque. Donc on sent que qu'il y a toujours du travail, même si on a l'impression que tout avance. C'est pas nécessairement. Vous l'avez subi, vous, ou pas? Bah, je pense que oui, c'est présent. Hein. Je veux dire, même dans le traitement médiatique, souvent on va mentionner mon âge, préciser que je suis jeune, alors que j'ai quand même 3 ans plus que Samy Mahdi, par exemple. Et donc c'est un truc qui me. Je trouve assez. Et alors que lui, on ne mentionnerait pas son âge. On ne le mentionne quasiment jamais. Quand on n'est pas d'accord. Ou quand certains vont dire que c'est de la naïveté, tu vois. Non, c'est pas de la naïveté, on n'est juste pas d'accord. Je veux dire, je trouve que c'est toujours assez amusant. Enfin, je veux dire, j'essaie plutôt d'en rire, mais voilà, on sent quand même que c'est un frein et une tentative de décrédibiliser, délégitimer aussi les projets que je peux mettre en place. Donc c'est, on voit qu'il reste du travail. Or, les sujets sur lesquels je dois travailler sont des sujets, ben, comme on le voit pour le moment, qui sont sérieux, qui nécessitent de la rigueur. Toutes mes politiques sont toujours appuyées sur des chiffres, sur des faits. Et donc ça, c'est vraiment ma façon de travailler. Et donc certains essayent parfois de détourner un peu le regard vers d'autres caractéristiques. Quoi. Voilà, donc ça, c'est... Il reste du boulot. Quoi. Il reste du chemin à faire. Merci en tout cas beaucoup, Sarah Schitz, d'avoir participé à notre discussion. Pas de souci, on se quitte quelques petites minutes. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à eux d'avoir interagi avec nous. On fait une petite pause, donc on laisse Sarah Schitz rejoindre la région liégeoise qui doit vite partir. Tout à fait. Et puis on continue ensuite notre émission après un petit changement d'invité. À tout de suite. Rebonsoir dans la dernière partie de la base. Merci à vous d'être encore avec nous. À présent, on va parler d'un grand sujet d'actualité. Parce qu'il y a 25 ans, 350 000 personnes environ se mobilisaient dans les rues de Bruxelles pour ce que l'on a appelé la marche blanche après l'arrestation de Marc Dutroux. Une marche qui se voulait pacifique et apolitique. Un événement majeur donc qui s'est inscrit dans l'affaire plus générale de l'affaire Dutroux. Tout le monde connaît au moins de nom cette affaire. Mais ce soir, on va tenter de revenir en arrière, de revivre un petit peu de l'intérieur, le déroulé, l'intensité surtout de cette affaire pour essayer de comprendre l'impact qu'elle a pu avoir sur notre société tout entière. On va en parler tout de suite avec Stéphane Rosenblatt qui nous a rejoint, qui était directeur de la rédaction à l'époque de l'affaire Dutroux. On en parle tout de suite dans la dernière partie de la base. Et donc je le disais, on va revenir donc sur ce grand sujet avec notre nouvel invité, Stéphane Rosenblatt. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. Bonsoir Manu. Comment vas-tu ? Très bien, très bien, oui, très bien, même si ce dont on va parler
n'est pas nécessairement le meilleur souvenir. En effet. Écoute, c'est ouais. C'est, et merci d'être dans ce studio ici de LN24 Plus parce que je le disais, donc tu étais directeur de la rédaction à l'époque de l'affaire du trou de RTL TVI, mais maintenant tu travailles ici à LN24 en tant que consultant et puis aussi pour représenter certains programmes. Mmh. Ce studio déjà là ici à LN24 Plus, qu'est-ce que tu en penses? Il est beau quand même. Tu n'es pas habitué toi à ce studio là. C'est pas ici que tu te trouves d'habitude. Non, je trouve qu'il est très beau et puis il a été fait vraiment à force de travail et vous êtes retroussé les manches. Donc au moins c'est un studio qui correspond à un vrai projet, à une envie, à... Voilà, c'est quelque chose qui a été voulu, qui a été réfléchi, qui a été conçu. Non, franchement, c'est la partie vraiment très sympa du projet LN24. Donc c'est chouette qu'après 2 ans, on puisse développer et développer quelque chose qui soit vraiment, qui, voilà, et sur les réseaux sociaux, et sur le web, avec des nouvelles techniques de narration, avec une nouvelle manière de traiter l'info. Donc je trouve ça d'autant mieux que c'est... voilà, ça c'est un petit peu la magie aujourd'hui de pouvoir développer des choses que... À l'époque, effectivement, à l'époque de la grosse machine et industrie télé, oui. C'était évidemment compliqué d'envisager. Surtout la télé, tu connais, t'as passé 35 ans, 35 ans de carrière dans les médias, même plus en fait. Je voulais pas un peu plus même, oui. on arrête de compter, les compteurs sont bloqués. Plusieurs dizaines d'années dans le monde des médias. Ouais. Ici, on est sur une nouvelle plateforme, Twitch, mm-hmm. qui vient en seulement de se développer. Comment est-ce que tu vois un peu ces nouvelles plateformes de diffusion? Ah ben moi je suis ébahi, je suis surtout passionné parce que je trouve que voilà, c'est justement, je trouve ça extraordinaire de pouvoir participer justement à des évolutions dont l'objectif finalement il est le même. Mmh. C'est finalement de toucher les gens, de pouvoir les informer, de pouvoir leur parler avec des langages, des narrations, des choses qui évoluent, mais fondamentalement c'est quand même informer les gens sur le monde qui nous entoure. Et puis je trouve ça génial, justement, qu'il y ait moyen de développer, d'envisager des manières d'informer qui ne passent pas automatiquement, systématiquement par de l'industrie lourde, quoi. Ouais, les canaux traditionnels. Donc moi ça me passionne vraiment. Alors c'est pas facile. Je sais que dans des expériences comme LN24, on goûte aux délices aussi, des problématiques économiques, de moyens, journalistiques, comment développer de l'info spécifique, tout ça. Mais moi je trouve ça, j'estime être très privilégié de pouvoir, après ces années d'expérience, de pouvoir encore partager avec vous, avec des gens comme vous qui sont passionnés et beaucoup plus jeunes, une passion partagée qui n'a pas d'âge. Brieux aussi, là tu es réintervenu, tu es donc de retour aussi. Ah oui, absenté, tu t'étais absenté pendant notre partie précédente, notre partie politique, donc Brieux est de retour avec nous pour nous accompagner dans cette dernière partie d'émission et dans nos discussions. Et vous aussi, pour rappel, vous pouvez donc toujours interagir avec nous, poser toutes vos questions, nous faire part de vos remarques aussi pendant toute cette discussion. Et donc on va parler, je le disais, donc de l'affaire du trou d'une manière assez générale parce que, Brieux et moi, on ne l'a pas connu directement, on ne l'a pas vécu parce que nous n'étions pas tout juste né, moi pas encore. C'est un peu l'histoire. Et surtout, on sait bien que ça a profondément transformé notre société. Mmh. En tout cas, on l'a compris en apprenant un petit peu aussi cette affaire-là, en se penchant dessus. Et donc toi, à cette époque-là, donc de l'affaire du trou, tu travaillais à RTL TVI et tu étais directeur de la rédaction. Mmh. Alors déjà, pour que les gens comprennent bien, pour ceux qui sont peut-être un peu moins initiés, qui ne sont pas journalistes et qui ne savent peut-être pas très bien aussi comment fonctionne une rédaction au sein d'un média, c'est quoi être directeur de la rédaction et ça sert à quoi? D'abord, à l'époque, je cumulais la fonction de directeur de la rédaction et de rédacteur en chef. Donc, directeur de la rédaction, c'est en fait celui qui gère la petite usine rédaction, la petite entreprise rédaction sur ses différents aspects, c'est-à-dire les aspects gestion d'équipe, gestion de projet, gestion de budget, qui est en charge de faire que le projet éditorial qui a été décidé au niveau des médias soit bien appliqué par l'ensemble des rédactions du média. À l'époque, c'était radio et télévision. Et puis, rédaction en chef, c'est celui qui est en charge d'appliquer au jour le jour la ligne éditoriale au travers des différents rendez-vous, journaux télé, puisque à l'époque, essentiellement, c'était les gros rendez-vous télé, 13h et 19h. Et le rédac-chef, c'est un peu le capitaine, le capitaine au quotidien. Et le directeur de la rédaction, c'est un peu le capitaine, mais un peu au plus long cours
d'assumer aussi qu'il y ait les moyens, qu'il y ait de la coordination et qu'il y ait des, voilà, de l'huile dans tous les rouages. Et donc c'est toi aussi qui décides, par exemple, donc quand on a un journal télévisé, par exemple, classique, voilà, on parle de certains sujets, les journalistes vont faire certains sujets. Est-ce que c'était aussi ton rôle, là, par exemple, de décider de quel sujet le journal télévisé allait parler, allait aborder? Alors, comme je dis toujours, d'abord, c'est un travail collectif, essentiellement collectif. Hein. Sans équipe, il n'y a rien. Donc, mais par contre, c'est vrai que c'est, voilà, la rédac attend de quelqu'un qu'elle fixe un cap, c'est-à-dire de décider au jour le jour, non pas nécessairement dans le détail quel sujet va ouvrir, puis quel va être le deuxième, le troisième, le quatrième, et le vent, mais de décider aussi, voilà, quelle est la priorité du jour, quelle orientation on veut donner à une info à un moment donné, quelle importance on va lui donner, comment on va hiérarchiser les choses, hein, dans quel ordre on va les mettre sur base des préoccupations des gens, des priorités du jour. Donc c'est un peu ça aussi le rédacteur en chef. Et puis c'est dans les moments compliqués, c'est un peu celui qui monte sur la table et qui dit voilà en tout cas la vision que je pense avoir. Et puis derrière il y a un débat qui n'est pas toujours très long parce qu'en même temps on est sous la contrainte du temps. Mais je pense que voilà, comme dans chaque chose, il faut qu'à un moment donné il y ait un cap qui soit donné, et même si le cap en amont il est le fruit de discussion et de partage, mais j'ai toujours une rédaction, c'est un mélange, en même temps c'est beaucoup d'individualité qui ont souvent une vision très très claire de ce qu'il ne faut pas faire, parfois de ce qu'il faut faire aussi, mais il y a autant de rédac chefs qu'il y a de journalistes souvent. Mais à un moment donné, c'est un peu comme les coachs de foot, voilà, et donc il y a beaucoup d'individualisme, beaucoup d'individualité, beaucoup d'esprit critique, c'est très bien, et de vision personnelle de l'info, et en même temps c'est un corps très militaire. Parce que, en même temps, il faut exécuter les choses. Il faut qu'elles soient prêtes en temps et en heure. Un journal, on le voit sur LN24, mais quand vous avez un journal de 40 minutes, de 45 minutes, il faut qu'évidemment tout soit prêt et qu'il corresponde aux axes, aux angles, à l'orientation qu'on a décidé en début de journée. Donc il faut en permanence, il faut un petit peu fine-tuner, comme on dit en jargon, et faire que ce qu'on a cru avoir comme vision corresponde à ce qu'on va avoir en bout de course quand les rendez-vous d'info sont à l'antenne. Et donc d'assurer qu'il y ait quand même une ligne, un projet éditorial cohérent, parce que qu'est-ce qui différencie un journal d'un autre, ou un journal télévisé ou radio ou web, ou c'est l'axe qu'on veut lui donner, la ligne éditoriale. Et il faut qu'elle se décide quelque part. Donc elle se décide par des discussions, par des débats, mais c'est aussi par de l'exécution et par le fait d'assurer la cohérence de l'ensemble, de faire que tous les éléments du puzzle, au moment où on les met à l'antenne, eh bien, on a le sentiment que ça correspond à... correspondu, voilà. Et à un projet éditorial, quel projet du média, en l'occurrence à l'époque RTL, et qui fait que chaque jour, même si les choses sont très différentes, eh bien, on sait où on est et ça correspond au projet éditorial de la chaîne. Et l'affaire du trou, pour ramener à... et l'exemple type de méga événement dans lequel il faut combiner toute une série de paramètres, y compris évidemment en quoi elle correspond au projet éditorial du média. Ça c'est un petit peu le boulot le boulot, et c'est justement vers là aussi, tu le mentionnais, donc de l'affaire du trou, c'est bien ce sujet là cette affaire là qu'on va étudier, et le rôle aussi que tu as pu avoir dans le traitement de cette affaire là et tous les enjeux auxquels tu as été confronté. Et c'est pour ça déjà que j'aimerais faire un peu appel à tes souvenirs pour reprendre le tout début, avant que tout cela devienne l'affaire du trou. Ça commence en fait le 24 juin 1995. Alors à ce moment-là, c'est pas encore l'affaire du trou comme on la connaît, puisqu'au tout départ, le 24 juin 1995, ce sont deux fillettes de 8 ans qui sont enlevées dans la région liégeoise, Julie Lejeune et Mélissa Russo. Est-ce que toi, tu te rappelles déjà de ce moment-là, avant que ça devienne l'affaire du trou? Oui, je me rappelle du fait que c'était un fait divers. Un fait divers. Un fait divers inquiétant, un fait divers dramatique, mais un fait divers, c'est-à-dire qu'il était catalogué dans la catégorie des faits divers, c'est-à-dire un fait de société qui était, inquiétant, mais qui n'avait pas encore, loin s'en faut, l'ensemble, je dirais, du poids et de la charge qu'on allait évidemment y découvrir au moment où on apprend, bien plus tard, évidemment,
que ce sont plusieurs enfants qui ont été enlevés et qu'on va prendre le profil du tueur potentiel, qu'on va apprendre évidemment qu'il était déjà passé par les mains de la police et de la justice, et qu'on va apprendre évidemment surtout à découvrir à ce moment-là le visage des parents des enfants disparus et leur combat ouvert, public, et voilà, incroyablement puissant, qui va changer évidemment totalement la perception et qui va transformer en fait divers en fait de société dans sa globalité. Et les parents, évidemment, c'est au moment où les parents décident de s'adresser aux médias, et comme d'ailleurs c'est souvent le cas dans des faits divers dramatiques liés à des enlèvements d'enfants, là, le basculement, c'est ça. C'est à ce moment-là que le public et les journalistes, évidemment, se prennent en pleine poire l'élément émotionnel, la force et l'identification au vécu des parents. Et en plus des parents qui, là, pour le coup, sont les parents auxquels peuvent s'identifier par le type de langage qu'ils vont avoir, le type de discours, un discours très direct, très humain, très, très simple, vont s'identifier tous les parents de Belgique. Tous les parents de Belgique. Avant de se repencher après sur la présence des parents et le fait qu'ils se soient adressés aux médias, etc., on va reprendre un petit peu chronologiquement. Donc, je le disais, en juin 1995, la disparition de deux fillettes donc de 8 ans. Et puis après, donc, c'est en août 1995 que disparaissent à Ostende, cette fois en Flandre. Et c'est aussi, on reviendra peut-être aussi là-dessus, qui en a fait une affaire nationale, puisqu'elle se transforme à ce moment déjà, ce simple fait divers qui concernait finalement au début seulement la Wallonie, puisque la région liégeoise, et bien ça touche aussi la Flandre et donc potentiellement tout le pays, donc avec Anne et Effieux, donc 17 et 19 ans, qui disparaissent à Ostende. Est-ce que là déjà à ce moment, on se dit ou pas que ça peut être lié avec la disparition de Julie et Mélissa un mois auparavant? Dans un premier temps, non, parce qu'évidemment, il n'y a rien qui permet encore de faire le lien à ce moment-là et de faire la jonction des deux affaires. On le donc fera c'est que, deux faits divers bien isolés, plus tard. C'est dans un premier temps, en tout cas, ressenti comme deux faits divers isolés. D'autant plus que l'âge d'Anne et Effieux faisait que la notion de fugue, ou de fuite, était un élément qui était en tout cas abordé par la police à l'époque. Donc le lien n'a pas été fait immédiatement, non. Mais par contre, évidemment, c'est vrai que comme tu le dis, plus tard, ça en fera le fait divers national, et ça va contribuer et participer vraiment à la manière dont la population dans son ensemble, la Belgique dans son ensemble, s'identifiera des deux côtés de la frontière linguistique à cette affaire. Et on se projette encore un petit peu dans le temps, quelques mois plus tard, mais donc pour faire un petit peu la chronologie des événements, en 1996 cette fois, en mai 96, il y a l'enlèvement de Sabine Dardenne, donc elle qui a 12 ans, et c'est dans la région de Tournai, et puis un petit peu après, le 9 août 1996, l'enlèvement de Laetitia, 14 ans, elle, c'était à Bertry. Avec tout ça, j'aimerais savoir moi, à quel moment est-ce que justement ça se transforme en beaucoup plus qu'un simple fait divers. À quel moment, quel est le déclic pour comprendre? Non, c'est vraiment en 1996, au printemps 1996, que l'affaire se transforme en affaire nationale et en tremblement de terre national. Entre les deux, il y a eu, des allers-retours et des réminiscences de l'affaire qui reviennent. Mais le déclic, c'est vraiment au cours de l'été. Donc, imaginez, de nouveau le parcours et le calvaire entre le moment. Oui, parce que c'est très long. C'est très long au moment de la disparition, finalement la relative entre guillemets indifférence. Ceux qui auront suivi quand même de manière du côté des médias, parce que finalement il y a eu des approches assez différentes dès le départ entre ceux qui vont suivre de manière très régulière et de manière très constante l'affaire, essentiellement la presse dite populaire, et puis dans un deuxième temps tout le monde va embrayer, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas couvert de la même manière les premiers mois de l'affaire, et c'est d'ailleurs
voilà, une des terribles frustrations et amertumes des parents, mm-hmm. Qui voilà, auront beaucoup appelé à l'aide, mais leur la bouée n'aura pas été rattrapée par tout le monde. Mmh. Donc, non, c'est vraiment près d'un an plus tard que les choses... Et au moment où Sabine et Laetitia sont enlevées, on n'a toujours pas retrouvé Mélissa et Julie et Mélissa, ni Anne et Fio. À ce moment-là, on commence à se rendre compte que c'est tout ça est lié, oh, qu'il y a un danger... Non, dans l'été... dans l'été 1996, là le lien est fait. Mmh. Les parents d'ailleurs eux-mêmes vont faire le lien. Et comment le lien est fait Le lien est fait d'abord parce qu'effectivement il y a aussi des rapports de police. Il y a quand même, la police n'est plus silencieuse de la même manière, ou la gendarmerie, puisque à l'époque il y a encore, sans souvenir, la gendarmerie et la police. Et donc elle fait elle-même le lien entre les différents dossiers. Et puis on va apprendre aussi à ce moment-là de la bouche des autorités les éléments d'enquête qui ont déjà été entamées, les recherches qui avaient été faites, et petit à petit on va commencer à découvrir évidemment que des choses avaient été faites, n'avaient pas donné de résultats, que les familles elles-mêmes vont participer effectivement en expliquant à quel point leur cri n'avait pas été entendu, leur cri d'alarme à elle à ce moment-là n'avait pas été entendu. Et donc ça va se construire avec un paroxysme qui sera au cœur de l'été 1996. Et c'est ça, été 1996. C'est le 13 août 1996 que d'abord apparaît le visage finalement de Marc Dutroux, qui est un électricien au chômage. Il a 39 ans. Il est arrêté à ce moment-là avec sa compagne Michel Martin et puis Michel Lelièvre, aussi présumé donc complice de Marc Dutroux. Et puis deux jours plus tard, finalement, ce sont les aveux de Marc Dutroux, donc le 15 août 1996, qui permettent de découvrir Sabine et Laetitia emmurées donc dans la cave de Marc Dutroux. Mmh. Elles sont à ce moment-là donc retrouvée vivante. Est-ce que tu te rappelles toi de ce moment-là, comment ça a été traité, cette information à ce moment-là aussi par RTL, quand on découvre Laetitia et Sabine, quand on les libère finalement de la cage de Marc Dutroux? Je me rappelle, de nouveau, c'est à mettre dans un ensemble de choses. Hein, ouais. Là, on est vraiment... autant le détail du détail, je n'ai plus 25 ans après le souvenir de chaque minute vécue il y a 25 ans à ce moment-là. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'évidemment, il y avait une espèce de frénésie. Il y avait une espèce de d'état second dans lequel se trouvaient les rédactions à ce moment-là. Justement, je me permets de te couper, mais juste parce qu'il y a une question par rapport à ça, pour qu'on comprenne bien le contexte de la rédaction, au moment où Sabine et Laetitia sont libérées, l'affaire était déjà très couverte par la rédac. Comment vous étiez organisé en interne? Alors, il faut savoir que c'était vraiment une info qui vraiment couvrait tout le reste. Et donc, l'affaire Dutroux, durant l'été 96, jusqu'au moment où on retrouve dramatiquement le corps des jeunes filles disparues, et puis après, tout ce qu'on va apprendre, évidemment, sur les dessous de l'enquête, puis après, je dirais presque jusqu'à à la marche blanche, puis la commission d'enquête... Mais ça a dominé, comme aucune info n'a jamais dominé une rédaction. Parce qu'il y avait à nouveau une multitude d'angles et d'implications à couvrir. Il y a l'aspect policier, il y a l'aspect famille émotionnelle, il y a l'aspect identification de la société, il y a l'aspect dysfonctionnement qui apparaît quand même relativement vite, il y a l'aspect position de la justice, il y a l'impact sur la société belge et le trauma sur la société belge, avec tout ce qu'on pourra en dire après en termes de fantasmes, de débordements, il y a les inquiétudes de chaque famille qui se projette sur la propre éducation de ses propres enfants au travers de ce qui est en train de se dérouler dans le pays. Donc c'est un séisme d'une magnitude qu'on ne parvient même pas à imaginer aujourd'hui. Donc les rédactions étaient dominées par l'ensemble des angles à couvrir sur l'affaire Dutroux. Mais est-ce que vous sentiez déjà à ce moment-là que c'est une affaire qui allait marquer complètement l'histoire de la Belgique? C'est-à-dire, oui, par...
la manière dont les parents la manière dont les parents sont parvenus à faire que la population s'identifie à leur drame et leur combat. Et ça, c'était voilà, quelque chose qui est aussi difficile à imaginer aujourd'hui. On était totalement bouleversés. Et je parle, les journalistes l'étaient comme était la population, étant tous, voilà, potentiellement soi-même des parents. C'était incroyablement difficile de ne pas s'identifier au vécu qu'avaient les parents et à leur combat dans le désert qu'ils avaient mené. Et puis au fur et à mesure, les épreuves qui prendront une dimension d'autant plus grande qu'on a vu à quel point c'était voilà, d'échec en échec sur beaucoup en tout cas d'aspects du fonctionnement des institutions et donc il y avait évidemment cette identification et cet aspect à nouveau émotionnel extrêmement fort qui était très difficile à canaliser dès l'été. Et les journalistes, parce qu'il y avait d'une part des journalistes qui couvraient de manière constante le dossier, de par le rapport aussi qu'ils avaient établi au fur et à mesure avec les parents et qui avaient la confiance des parents. Je pense à quelqu'un comme Dominique de Moulin, par exemple, à RTL à l'époque, et qui couvre encore l'actualité judiciaire aujourd'hui. Et Dieu sait, je la connais bien, que c'est une journaliste pour qui cette affaire a vraiment été incroyablement prégnante de sa propre carrière et je pense même de sa personnalité et de toute cette perspective professionnelle après, tellement que ça a été lourd de l'affaire au procès. Donc il y avait ceux qui avaient au fur et à mesure établi le lien de confiance avec les parents et en qui les parents faisaient confiance parce que ça allait dans les deux sens, mais c'était pas un travail facile. Mais est-ce que c'était un travail de journaliste aussi? Non, c'était un travail de journaliste, mais dans lequel, parce qu'il y avait voilà, les règles voilà, des journalistes, les règles journalistiques dans le traitement de l'info étaient quand même respectées, mais avec, c'est vrai, cet élément supplémentaire qui était cet élément à nouveau difficilement imaginable pour les jeunes journalistes aujourd'hui, qui est d'être submergé à un moment donné par l'émotion, de devoir la canaliser, de devoir parfois la confronter à la rédaction, le rédacteur en chef, entre autres, dont le job est justement de calmer les choses et de faire qu'on ne dérape pas complètement dans cette affaire et qu'au bout du compte, ce soit le travail d'information qui l'emporte et non pas le travail de reflet d'émotion ou le travail miroir d'émotion, qui n'est évidemment pas suffisant. Et donc, il y avait d'un côté ceux qui étaient en contact avec les parents, il y avait ceux qui couvraient le dossier, sur les aspects policiers et judiciaires et qui donc avaient leurs propres liens avec les uns et les autres au niveau des services de police, ce qui a aussi, alors, à côté de l'aspect émotionnel des journalistes en contact avec les parents, il y avait un autre aspect émotionnel qui était là aussi on l'imagine un peu avec ce qu'on vit aujourd'hui mais à une autre échelle, parce que à nouveau l'élément, il faut le dire, déterminant absolu et différenciant, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Oui. Hein, donc il n'y avait pas la capacité pour pourtant une population où chacun était impliqué et chacun avait une opinion et parfois extrêmement violente et dure, de pouvoir l'exprimer sur des plateformes sociales. Donc finalement elle se traduisait par une manière assez traditionnelle qui était le lien avec les journalistes et le rôle des journalistes et leur position sociale des journalistes était très différente à l'époque. Hein, aujourd'hui, vous le savez, à quel point, je veux dire, alors c'est un métier qui reste passionnant, mais qui n'est pas passionnant spécialement par le lien particulier que la population a dans son mode de confiance vis-à-vis de nous. Mais à l'époque, c'était autre chose. Il y avait encore les médias qui étaient sur une forme de piédestal, et en tout cas, pour lesquels on avait des attentes très élevées sur la manière dont ils participaient aux liens démocratiques et aux liens avec la population. Donc c'était très différent. Et donc ceux qui couvraient donc l'affaire judiciaire et policière, ils ramenaient des choses avérées et puis on le verra, des choses moins avérées parce que cette affaire, même sans réseau social ou réseaux sociaux, véhiculait et a véhiculé très vite une multitude, évidemment, de rumeurs, de thèses complotistes en tout genre, qui exacerbaient
complètement des faits qui étaient pourtant déjà dramatiques. Est-ce que tu peux rappeler peut-être les théories principales qui circulaient à ce moment-là, que ce soit dans l'espace public, mais aussi dans les rédactions? C'était évidemment le fait que, évidemment, très vite que Marc Dutroux ne pouvait pas avoir agi seul avec Michel Martin, que évidemment il y avait des intermédiaires, des interfaces entre le pédophile et des réseaux extérieurs dans lesquels on retrouvait évidemment des politiques. La société belge au niveau des décideurs, et donc cette il y avait l'intégration de Dutroux dans une série de réseaux, et au-delà de ça, il y avait le fantasme d'une société qui aurait été la société belge, minée par une multitude de réseaux de pédophilie, de réseaux satanistes, de réseaux en tout genre, dont les infos arrivaient puis disparaissaient, et fondées finalement sur pas plus de choses que les thèses complotistes qu'on peut voir dans les événements actuels, mais qui prenaient évidemment une dimension d'autant plus grande qu'elles étaient ou pas relayées par la presse écrite de l'époque ou par les médias audiovisuels de l'époque. Donc c'est vrai que ces théories ont percolé jusque dans les rédactions. Alors ça, c'est un aspect aussi qui est je pense que la passion, les fractures, les débats parfois tout à fait hystérisants que les rédactions avaient à l'époque sont aussi quelque chose que vous n'imaginez pas dans la vie et dans la manière dont même des journalistes enthousiastes aujourd'hui peuvent envisager leur métier. C'est pour moi, c'est pour ça, je veux dire, en tant que responsable de rédac, je suis très mitigé par rapport à cette période. C'est en même temps parce que vous savez, il y a des événements, on pouvait dire j'ai vécu tel événement qui est un événement sur le plan journalistique extraordinaire, j'ai vécu un moment d'histoire. Oui, c'était un moment d'histoire, c'était un moment qui a bouleversé de manière, je dirais, perpétuelle ce qui va devenir la société belge. Mais ça a été extrêmement pénible. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. C'était la chose la plus dure sur le plan professionnel que j'ai eu à traverser, et aussi la plus désagréable. Parce qu'à côté de moments de fulgurance, on peut beaucoup discuter, comme par exemple l'évasion de Marc Dutroux, parce que faut oublier que ça a été jusque au bout du bout du bout qu'on nous a rien épargné. On n'a rien épargné autour de cette affaire, mais ça a été très dur parce qu'il y a des journalistes qui ont laissé vraiment leur santé mentale. Il y a eu des combats, je dirais presque à mort, entre membres de la rédaction sur la manière dont il fallait couvrir cette affaire. Et comment tu te situais, toi, justement, en tant que directeur de la rédaction, donc au plus proche, au plus près des journalistes, entre des journalistes qui parfois défendaient ou pas certaines thèses? C'est-à-dire qu'il fallait... un rôle compliqué. C'était un rôle... la vie des rédactions était compliquée, mais c'est vrai que c'était un rôle compliqué, parce que d'abord, il fallait, je le disais, garder quand même ce qui était l'essentiel, l'intégrité du métier qu'on faisait, et d'assurer, évidemment, une couverture qui soit une couverture honnête, et une couverture qui corresponde vraiment à ce qu'est notre devoir. C'est-à-dire, d'avoir une information qui soit fiable, et que le public puisse légitimement lui faire confiance. Et qui suivent, je dirais à nouveau, ce qu'on nous a toujours appris dans la manière de vérifier nos sources, de vérifier. Mais cet élément émotionnel qui s'est insufflé dans l'affaire Dutroux, qui avait en même temps une certaine justification, parce que c'est vrai que l'élément émotionnel de la population était un élément moteur aussi de ce que la société belge envisageait. Et donc on ne pouvait pas faire abstraction. Mais donc, de cet élément émotionnel dans la manière de couvrir les choses. Le problème, c'était comment relayer cet élément d'émotion sans en faire un moteur de l'information lui-même, qui évidemment était reconnu par une partie de l'opinion qui attendait des médias qu'il soit le reflet de ce que pensaient les parents, le reflet de leur propre révolte, le reflet de leur manière, de leur dégoût à tort ou à raison de ce qu'ils pensaient être le fonctionnement de la police ou de la justice de l'époque. Relayer cet aspect émotionnel était une chose, mais en faire évidemment un élément qui fasse que vous deveniez le porte-parole de ce rejet en était évidemment un autre. Et donc ça passait effectivement par une présence constante et, je dois dire, parfois même épuisante au sein de la rédaction, parce qu'il fallait chaque fois tenir à la culotte tous les jours
tout ce qu'on y faisait. Mm-hmm. Et ça passait évidemment aussi par des soupapes de sécurité, de dépressurisation qu'il fallait organiser. Je me souviens vraiment, comme si c'était hier, de débats nocturnes dans la rédac après les journaux, où les gens avaient besoin de parler, mais avaient besoin aussi de faire passer leur message. Et souvent, ça passait par des discussions très dures entre membres de la rédaction, et auxquelles il fallait rappeler à un moment donné, mais en le faisant de manière humaine et parce qu'il fallait accepter aussi le fait que ça touchait tout le monde, mais de ramener quand même chaque fois progressivement à ce pourquoi on fait ce métier, ce pourquoi on devait répondre deux fois par jour à la demande du public. Donc c'était c'était dur, ça laisse une part quand même d'amertume. Et en même temps, c'est l'histoire. Ouais. Voilà. Et je pense que tous ceux qui ont couvert des événements dramatiques dans l'histoire, voilà, ne se souviennent pas que des éléments. Alors oui, il y a bien sûr la concurrence, il y a bien sûr les éléments de ce que vous avez réussi journalistiquement ou pas, de la couverture que vous avez bien faite, du fait d'avoir été le premier sur telle chose ou telle chose. Mais quand on prend le recul, qu'on n'a pas toujours sur le moment, parce que vous êtes au quotidien, et c'est vrai que à devoir couvrir des événements et pendant cette période aussi, les moyens de production de l'info ont beaucoup évolué au milieu des années 90 en Belgique, et donc la rapidité de l'info, la concurrence a été un moment clé dans le milieu des années 90, et l'affaire du trou a été le pivot de ça aussi, et donc il fallait gérer tous ces éléments. Donc c'est vrai que sur le moment il y avait un emballement qui était l'emballement du direct, l'emballement mais quand on reprend le recul de toute cette période, et je pense que c'est valable pour tous les acteurs de la société belge. Mm-hmm. Je pense que personne ne garde évidemment un souvenir qui est un souvenir positif. On se souvient, c'est beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur pour ce qui s'est passé pour les familles et beaucoup de malheur pour la société dans son ensemble. Pour moi, c'est ce qui reste, et beaucoup de d'impact aussi sur même sur vous. Vous ne le savez peut-être pas, mais parce que vous ne faites pas le lien, mais sur la manière dont l'éducation donc tout, on est tous imprégnés quelque part de ce qui s'est passé, mais sur le moment c'est dur de c'était rock'n'roll franchement ça a été quelque chose de rock'n'roll et qui allait de crescendo en crescendo, puisque il y a eu la découverte des et puis il y a eu les funérailles, et puis il y a eu la marche blanche, il y a eu le procès, c'était chaque fois quelque chose qui engloutissait toute l'énergie et tous les moyens des médias de l'époque. Oui, c'est vrai que ça a eu, tu mentionnais, pardon, je t'interromps, mais il y a eu un documentaire qui est sorti, qui a été produit par Pauline Beuny, qui s'appelle Petite, et qui retrace, elle retrace un peu les événements à travers son prisme à elle, de jeune petite fille de 5 ans au moment de l'affaire du trou. Et c'est vrai qu'ils mettent en avant cette occupation de l'espace public aussi, avec des affiches, ce visage des petites filles qui étaient affichées partout, tout le temps, sur les vitrines, sur les poteaux de signalisation, dans les médias toute la journée. On parlait que de ça. Et puis peut-être pour revenir à la chronologie des événements, le moment en août 96 où on commence à citer pour la première fois le nom de Dutroux, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand on découvre un visage, c'est la première fois qu'on découvre son visage, qu'on se dit c'est lui qui est derrière tout ça. Oui, et très vite c'est l'image du diable, l'image du mal, l'image de la perversité absolue. Mal incarné par une personne. Et c'est vraiment, c'est le mal incarné par une personne. Et c'est vrai que il est devenu... c'était l'ennemi public numéro un, mais il synthétisait les pires choses qu'on pouvait trouver. On sait évidemment, c'est un homme malgré tout qui avait sa propre histoire, mais c'est vrai qu'il a comme jamais, je pense, tout de suite concentré évidemment une énergie agressive et dramatique comme personne ne l'a jamais concentré. Et il avait le profil parfait pour ça. Et puis quand on a appris évidemment tout le déroulé de sa cavalcade, de son aventure meurtrière, et le dégoût que ça a suscité, c'est vrai que ça a participé, bien sûr, à cet aspect d'exutoire collectif que cette affaire. En fait, tout était
les parents dans leur portrait, dans leur dignité, dans leur langage de simplicité, et donc étaient, je dirais, les victimes entre guillemets. Enfin, c'est dur de dire ça parce que voilà, c'était leur vécu, mais étaient avec tout, comme je l'ai dit, pour qu'il y ait une identification à leur combat, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit votre appartenant géographique. Voilà, ils parlaient le langage que tous les parents pouvaient partager, sans jamais tomber dans les pièges qui auraient pu diviser, parce que finalement, ils ont fait extrêmement attention, y compris sur le plan politique, de rester à l'écart des polémiques, et ils étaient naturellement sur leur statut de parents à la recherche de leurs enfants. Et puis il y a le visage du meurtrier qui est à l'opposé absolu du visage des parents, qui est cette incarnation du mal absolu. Donc je dirais là encore c'est un peu dur de le dire, parce que c'est vrai que c'est, bon voilà, parler de casting quand on parle de ça c'est un peu rude, mais c'est vrai que si on prend évidemment par rapport à tous les citoyens consommateurs de médias, les visages de ceux qui les protagonistes de les protagonistes, y compris jusqu'au juge, voilà, le juge Conrot, le juge Bourlet, c'était un casting incroyable, en tout cas en termes d'identification positive ou négative. Et ça encore, c'était une espèce de conjonction des planètes comme ça, sur une affaire qui est presque impensable quand on y pense. Mais c'est vrai que ça c'est, du trou à incarné, d'ailleurs on le voit, ces images devant le palais de justice à Neuchâteau, avec des manifestations et des hurlements, des hurlements violents, des demandes de vengeance, haine, comme de nouveau dans ce pays quand même relativement calme, que la Belgique est pondérée en tout cas, était quelque chose qui nous interpellait à chaque fois. Qu'est-ce qu'on en fait en tant que média? Comment vous jusqu'où vous allez en fait dans la demande de vindicte? Revenaient des cris de mort, et donc voilà, c'est un bon exemple. En fait, quoi, vous faites un débat sur la peine de mort? Non, donc c'est de votre responsabilité de médias aussi, de savoir jusqu'où vous poussez aller dans le relais de la parole de vindicte qu'il y avait à ce moment-là, en tant que responsable, voilà, en même temps, beaucoup plus à l'époque, je le répète, qu'aujourd'hui, de par la diversité et la multitude des canaux. À l'époque, il y avait la presse écrite, il y avait la radio, il y avait la télévision. Et la télévision était le vecteur de communion de la population. À cette époque-là, c'était quand même tous les jours 900 000, près d'un million de personnes qui regardaient un journal. Donc on se retrouvait au total avec près de 2 millions de Belges francophones qui regardaient les journaux télévisés chaque jour. Donc c'est clair que la responsabilité que vous aviez, la portée que ça avait, d'ailleurs on a été... très critiqué pour ça justement aussi, jusqu'où dans notre lien avec les parents, dans la manière dont la marche blanche a été couverte, jusqu'où notre travail d'info et notre travail de sponsor des familles a commencé ou arrêté. On était très directement interpellés là-dessus. On va venir justement aussi un peu après sur le tournant qu'a pu incarner cette affaire dans le fait de donner aussi la parole aux citoyens plus directement que ce qui était le cas avant. J'aimerais aussi juste faire un tour avant par l'espace commentaire, et en vous rappelant aussi que vous pouvez évidemment toujours prendre part à nos discussions. Pour rappel, on évoque l'affaire du trou et ce qu'elle a pu laisser comme trace dans notre société actuellement, et donc on en parle avec Stéphane Rosenblatt, qui est notre invité ce soir et qui était directeur de la rédaction et rédacteur en chef de RTL TVI à l'époque de l'affaire du trou. N'hésitez donc toujours pas à réagir et à nous poser vos questions. Et il y en a une justement de question ici dans le chat qui nous demande: est-ce qu'en termes de traitement médiatique aujourd'hui, traiter une affaire similaire que l'affaire du trou, même si évidemment elles seraient toutes singulières, mais est-ce que traiter une affaire similaire, eh bien, ne serait pas un chaos absolu dans son traitement médiatique, sous-entendu aussi avec l'apparition des réseaux sociaux? Il y a eu à un moment donné, il y a eu un climat pré-insurrectionnel en Belgique, avant la marche blanche. Et on l'a dit, répété, d'ailleurs ça apparaissait dans le film Petite, entre autres, mais ça, voilà, que le rôle des familles dans l'appel et la demande de dignité, et dans le fait de ne jamais avoir appelé à la violence, ils ont appelé à la colère, mais jamais à la violence. Quand vous entourez ça du substrat à nouveau de rumeurs, de complots potentiels, de visages d'une société belge qui
qui aurait été pourri jusqu'à la moelle et d'autant plus pourri qu'on ne sait même pas par qui et par quoi à l'époque. Donc si on y rajoutait effectivement la couche qu'on connaît aujourd'hui des réseaux sociaux, on aurait pu se retrouver dans une situation non seulement de chaos, mais quasi une situation insurrectionnelle. Tant la colère et la révolte d'une partie de la population étaient grandes des deux côtés à nouveau de la frontière linguistique, parce que de nouveau, ça n'était pas qu'un problème francophone. Oui, ça a touché les deux parties. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'était une affaire ressentie de la même manière nationalement, comme c'est quand même rarement le cas. Ouais. Donc c'est vrai que même si aujourd'hui les médias, ce qui aurait été le cas, auraient tiré des leçons des erreurs de l'affaire Dutroux, sans doute, qui ont été commises à l'époque, le poids et la puissance des réseaux auraient largement dépassé l'influence qu'ont encore les journaux télévisés traditionnels aujourd'hui, ou les journaux radio, ou même la presse écrite, qui a perdu entre 1995 et 2021 quand même une part substantielle de ses lecteurs, qui ne sont pas changés par d'autres vecteurs. Et c'est vrai que cet effet d'immédiateté totale qu'on a aujourd'hui, tant dans la couverture et la connaissance de l'info que par l'analyse, dans une affaire comme celle-là, où les faits sortaient à chaque moment, où on suivait les fouilles de minute en minute, il y avait quand même s'il y avait beaucoup d'éditions spéciales et des journaux rallongés, mais il y avait quand même encore des rendez-vous, il y avait quand même une chronologie de l'info, qui faisait que vous pouviez encore avoir un minimum de recul pour préparer une analyse de l'info et lui donner un sens et un ordre. Aujourd'hui, ce sens et cet ordre, il est impossible à avoir, en tout cas dans la continuité. Vous pouvez après la contextualiser sur d'autres médias et lui donner un sens et un recul. Mais sur ce qui reste quand même les médias les plus consommés, c'est vrai que c'est difficilement imaginable. Je peux même imaginer l'affaire Dutroux, aujourd'hui. Et parce qu'en plus, tu le disais, elle a suscité beaucoup de colère, cette affaire, à cause de dysfonctionnements. Est-ce que tu peux nous réexpliquer aussi quels étaient-ils ces dysfonctionnements-là qui ont provoqué si on doit le résumer, c'était quand même d'abord le fait qu'on ait appris au fur et à mesure que les familles ont été victimes de la guerre des polices, en gros, c'est-à-dire d'une cellule de disparition entre la gendarmerie et la police qui finalement ont mené chacun leur enquête de leur côté, ne se sont absolument échangé aucune information et aucune de leurs pistes, ce qui a amené à ces fameux ratés, loupés, qui ont fait qu'on est passé si près des fillettes qui étaient encore vivantes et qu'on n'a pas pu les trouver, et que manifestement c'est par l'absence de partage d'informations. Parce que la différence entre la gendarmerie et la police à l'époque, c'était à l'époque, la gendarmerie, c'était la gendarmerie fédérale, enfin qui dépend nationale, qui dépendait donc qui était un corps militaire, et la police qui était une police essentiellement d'ailleurs communale, et qui n'avait pas, mais il n'y avait pas effectivement une unité comme on l'a aujourd'hui, même s'il y a une division au niveau fédéral, mais il n'y avait pas un corps unique. Et donc chacun a mené ses investigations de son côté. Il y avait le rapport à la justice aussi, où on estime que la justice n'a pas fait ce qu'elle devait faire, qu'elle n'a pas ordonné les enquêtes de manière suffisamment décisive, que là aussi policiers et magistrats à Liège ne se sont pas échangés les infos et sont passés à côté de l'essentiel. Il y a eu aussi cette absence de communication qui a été très violemment ressentie, et d'ailleurs que la justice conteste, parce qu'elle estime, elle, qu'elle devait prendre ce recul dans cette hystérie générale, mais que la justice a eu une approche qui était extrêmement arrogante. À l'époque, les familles ne comptait pas, puisque le statut même de victime et la position de victime dans une affaire criminelle comme celle-là n'était absolument pas prise en compte, puisqu'il n'y avait pas d'accès au dossier. Les familles devaient se battre, et ça faisait partie de leur combat pour pouvoir accéder aux pièces du dossier, d'une justice qui était souveraine et qu'on accusait aussi d'être politisée, de magistrats nommés directement par les mandataires politiques. Donc c'était une image assez désastreuse, à tort ou à raison, parce que de nouveau là-dedans il y a aussi à boire ou à manger. Mais donc l'image globale des institutions et de leur dysfonctionnement entre elles et au sein même de chacune des institutions a rajouté évidemment à cette colère terrible.
le point d'orgue ayant été évidemment le fameux arrêt spaghetti qui a cassé évidemment, qui a dessaisi le juge Conroth, le juge à Neuchâtel, qui était celui qui avait la confiance des familles et d'une partie de la population, et qu'on a dessaisi parce qu'il avait participé au moment de la libération des filles à un dîner. On était présents, les familles, et avait partagé un spaghetti avec elles, et ce qui a entraîné évidemment de recours en recours un arrêt de la Cour de cassation qui a cassé et a dessaisi le juge en charge du dossier de l'affaire. Qu'il y avait un lien trop fort. Il y avait un lien émotionnel trop fort qui pouvait créer une partialité, ce qui était sans doute défendable sur le plan, bien sûr, du droit, mais qui était irrecevable à l'époque au vu de l'ampleur des événements auxquels on assistait. Et du côté incroyablement anecdotique de ce que représentait finalement un geste d'humanité d'un juge qui partageait un spaghetti un soir dans une salle de, une salle d'école ou une salle vraiment communale. Et donc les conséquences, sachant que le juge Conroth, en plus, avec le juge Bourlet de l'époque, qui avait sorti cette phrase sibylline, si on me laisse faire, sous-entendu, il y a des pressions, et donc ces pressions induisaient, oui, mais donc il y a des réseaux derrière qui veulent que la vérité ne soit jamais sue. Et donc ce dessaisissement du juge a été évidemment reçu comme étant la volonté de faire que la vérité ne soit jamais vraiment connue. Et d'ailleurs, ce qui a pu nourrir aussi les thèses complotistes. Ce qui a nourri, en tout cas, la thèse qu'il y avait plus que du trou. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui n'est pas totalement éteint. C'est quelque chose qu'on entend encore aujourd'hui en disant oui, il avait des réseaux, il avait des complicités, et c'est les politiques qui ont. Il n'y a aucune preuve qui n'a jamais établi ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui reste vraiment ancré dans une partie de l'opinion de l'époque. Et des gestes comme le dessaisissement du juge Conroth de l'époque étaient vraiment, difficile d'imaginer aujourd'hui l'émotion que ça a véhiculé dans le pays. Émotion en plus, c'est vrai, relayée et parfois partagée et amplifiée par la presse. Et surtout la presse entre guillemets dite populaire de l'époque, qui c'est vrai, elle, plus que les médias audiovisuels, jouaient l'identification. Et jouaient clairement la carte du soutien aux familles et la carte anti-establishment, anti-justice, anti-police. Donc ça avait effectivement un impact très, 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 très puissant. Il y a aussi un point sur lequel je voudrais revenir, parce que vous le mentionniez, tous les deux, vous parliez d'un film donc, qui est disponible en replay, qui s'appelle donc Petite, qui revient sur l'affaire du trou et comment elle a pu être vécue, cette affaire, par les enfants, qui étaient des enfants à l'époque de cette affaire. Ce documentaire, ce film, je l'ai vu également, et moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé aussi dans ce film-là, c'est qu'on voyait finalement à l'époque beaucoup d'images transmises par les télévisions, parfois en direct, notamment des fouilles, parfois donc pour retrouver les corps, et puis aussi des images au sein des foyers, des familles, des victimes. C'est quand même aussi des scènes assez particulières, finalement, de pouvoir montrer ça tout le temps à la télévision. Est-ce que là-dessus, tu as aussi joué un rôle, on imagine, mais aussi est-ce que tu t'es posé certaines questions parfois qu'est-ce qu'on peut montrer, ce qu'on peut pas montrer, où se situe la limite, comment est-ce qu'on fait? Alors, ça introduit un autre élément qui est l'élément de concurrence entre médias. Et c'est vrai que, ça peut apparaître comme de la cuisine interne, mais c'est vrai que, ou futile, mais c'est vrai qu'à l'époque, la couverture d'événements en direct, donc avant l'affaire du trou, est quelque chose qui faisait pas du tout partie de la culture journalistique. Alors vous, en tant que journaliste et vos aînés, de toute façon, ont connu ça pendant maintenant les 25 dernières années. L'idée de sortir avec un smartphone et des valises 4G qui vous permet de c'est la normalité, c'est la banalité. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Il y avait un monopole de la RTT de l'époque, l'ancêtre de Proximus, et la RTBF de l'époque était la seule chaîne, côté francophone, qui était autorisée à diffuser des événements en direct et à faire de la captation en direct. Les autres devaient passer par la RTBF. Entre autres, RTL devait passer par la RTBF. En plus, il n'existait pas sur le marché de système mobile, flexible, léger et abordable dans un petit pays comme la Belgique, qui vous permette, grâce à des relais via des satellites, mais privés,
et des slots satellites de pouvoir diffuser en direct dans les foyers. Et c'est au milieu des années 90 qu'il y a eu d'une part cette dérégulation des télécoms en Belgique en matière de diffusion en direct, et que sont apparus aussi, ce qui existait déjà aux États-Unis mais qui n'existait pas ici, des moyens de direct mobile, des petits camions hein, de diffusion mobile, et ça coïncidait avec l'époque de l'affaire Dutroux. Il n'y avait absolument pas de grammaire pour les journalistes de l'époque sur la manière de diffuser en direct. Et il y a eu, c'est vrai, un enthousiasme de dingue pour des jeunes journalistes de pouvoir se dire « Waouh, on va pouvoir couvrir en direct, on va intervenir à tout moment, et en plus, privé ou public. » Donc dans la concurrence, qui à l'époque était la concurrence entre la RTBF et RTL. Je disais aussi que l'événement se déroulait sur toute la journée, alors il y avait quelque chose d'assez bizarre, quand on le prend avec un peu de recul, c'est qu'à l'époque, RTL avait un journal télévisé du lundi au vendredi à 13h, mais l'RTBF n'avait pas de journal télévisé à 13h, mais on avait un week-end, le samedi et le dimanche. Donc, ce qui paraît fou aujourd'hui. Voilà, il y avait une espèce de partage entre le week-end et la semaine. Bon, c'est au moment de l'affaire Dutroux que la RTBF a positionné un journal, mais qui, pour la première fois, était un journal en concurrence directe à la même heure. Il était un peu avant que le journal d'RTL, il était à 12h50. Alors que le soir, vous aviez deux journaux, l'un à 19h et l'autre à 19h30. Et donc, en fait, à la mi-journée, il y avait un frontal. Et donc, qui a induit, évidemment, une autre manière d'induire la concurrence entre les deux journaux. Si vous rajoutez ça à ça, c'est vecteur de direct qui n'existait pas. Vous aviez évidemment le terrain qui était assez bien disposé pour le meilleur et le pire. Et donc c'est vrai qu'en fait on a appris beaucoup en marchant. Mais il y a eu, clairement des fautes commises, ou des erreurs en tout cas, d'appréciation, sans doute trop de temps et sur certains événements, et un manque de recul, un manque de vérification de certaines choses, où le descriptif d'événements pour lesquels on n'avait pas d'éléments, je parle entre autres pendant une longue période sur les fouilles, où finalement il n'y avait pas grand chose à dire, si ce n'est les fouilles qui se poursuivaient, mais étaient évidemment un vecteur de dérapages verbaux, de manque de recoupement et de manque de recul qui a été très, très reproché aux médias de l'époque et dont des leçons ont été évidemment parfois durement tirées des événements de l'époque. Mais donc, là encore, c'est pour illustrer à quel point ça impliquait évidemment une autre manière de faire de l'info en Belgique. Et l'autre élément encore aussi, c'est que les rédactions n'étaient pas du tout organisées pour des événements comme ceux-là, multiformes, multi-enjeu et sur la durée, parce qu'on parle de deux ans. Voilà. Très nombreux mois. Et c'est vrai que, en tout cas, RTL, à l'époque, était reconnue pour être une chaîne qui était organisée d'une manière très réactive, souvent la meilleure sur l'événement court, mais sur l'événement long, qui souvent ne tenait pas la distance, parce que tous les moyens étaient mis sur la capacité réactive qui était un petit peu l'image de fabrique d'RTL, c'est-à-dire RTL c'est le breaking news hein, comme on dit en jargon, d'être sur l'événement mais là on avait un événement sur la durée et qui allait préfigurer d'ailleurs d'autres événements plus tard qui allaient aussi s'inscrire dans la durée et donc ça c'était ma responsabilité à l'époque, c'était de réfléchir à organiser aussi le travail pour faire qu'effectivement on puisse assurer structurellement cette prise de recul et mettre des moyens qui puissent en termes d'édition, en termes d'organisation des journaux, en termes de contrôle éditorial, d'assurer un suivi et un contrôle sur la durée. Ce qui n'était pas le cas au début. Chez KLN 24, le week-end, c'est pas non plus la grande foule, mais à l'époque, quand vous aviez un journal alors que les événements avaient lieu à organiser de 40 minutes, avec une équipe éditoriale et un rédacteur en chef ou un éditeur qui était lui-même le présentateur, donc il a fallu organiser, professionnaliser et structurer les rédactions. Tout ça est né de l'affaire Dutroux, parce qu'effectivement l'affaire Dutroux, elle s'est entre guillemets terminée avec la fin de la commission d'enquête en tout cas l'aspect suivi
permanent et constant. Hein. La commission d'enquête, quand même, là aussi. Peut-être que je court-circuite ton. Non, on peut en parler justement. Parce ta chronologie, que, mais. Parce mais on parlait justement de ces événements, dans l'événement qui ont été couverts en direct. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu la marche blanche, on le disait, donc après l'arrestation de Marc Dutroux. La commission d'enquête aussi, ça a été un moment. Un moment de rendez-vous pour les spectateurs. Imaginez, au milieu de la nuit, d'avoir plus de 1 million, 1,5 million de personnes qui étaient. Enfin, la Belgique était réveillée au milieu de la nuit pour assister à un spectacle, à nouveau, totalement inédit et qui ne s'est jamais reproduit. C'est-à-dire. Tu peux nous expliquer ce que c'est peut-être aussi cette La commission d'enquête, à quoi elle servait elle servait effectivement à faire la lumière sur les dysfonctionnements de la police et de la justice, en gros, et d'établir des recommandations en termes de réforme de la police et de la justice et du fonctionnement de la société, d'ailleurs, issue du ratage de l'affaire Dutroux. Oui, donc pour être bien clair, c'est pas une enquête policière, c'est pas une enquête judiciaire. C'est le Parlement qui crée une commission en son sein et qui nomme les élus. Des commissaires, qui nomme des élus du peuple qui sont les représentants au sein du Parlement pour eux-mêmes enquêter, pas sur qu'est-ce que Dutroux a fait, mais comment est-ce que tout s'est passé. Or très vite, ça va devenir une enquête bis. Et les commissaires vont vouloir savoir qui a tort et qui a raison, qui a fonctionné et qui a dysfonctionné. Et pour ça, la commission d'enquête, elle ne va pas faire que ça, mais elle va confronter les acteurs judiciaires et policiers de l'époque. Et ça va donner quelque chose que je pense depuis... je pense que McCarthy n'était pas diffusé en Belgique, mais en tout cas de quelque chose de totalement dingue, c'est-à-dire des commissaires qui savent que le programme est diffusé en direct au milieu de la nuit, donc ils savent le retentissement de l'affaire, et qui vont se transformer souvent en justiciers, donnant d'ailleurs des jugements souvent très définitifs sur ce à quoi ils vont assister en termes de témoignages. Et le summum sera évidemment la magistrate de Liège confrontée, entre autres, à l'inspecteur Michaud qui est celui passé à côté à deux reprises des filles dans la cache de Marc Dutroux, de Julie Mélissa, et qui vont s'opposer en fait avec des versions radicalement opposées face donc au commissaire et face à l'opinion publique belge. Et ça, dans la chronologie, ça se passe quand? C'est après ça le procès? Ça se passe avant le procès, en décembre, janvier, février 1996. Oui, parce que le procès arrivait beaucoup plus tard. J'avais une question, parce que c'est vrai que tu as déjà mentionné plusieurs fois cet événement où les policiers, les gendarmes sont passés à côté des filles. Tu peux nous rappeler ce qui s'était passé à l'époque, le raté qui est notamment pointé ici? Mais le raté, c'est qu'évidemment, donc des indicateurs avaient dit avoir entendu des voix d'enfants dans une cave d'une maison appartenant à Marc Dutroux, et qu'au moins à deux reprises, des policiers s'y sont rendus, sont descendus dans la cave et n'ont pas été plus loin. Et donc n'y ont rien vu, parce qu'effectivement, il faut peut-être rappeler que la cache était une cache qui était extrêmement assez bien pensée avec un système hydraulique, et qui était dans les murs avec une isolation qui avait été bien pensée et donc ils n'ont pas, en tout cas, il n'y a pas eu un zèle extraordinaire pour essayer de vérifier jusqu'à un certain point, en tout cas, la véracité de ces informations. Et l'un des reproches qui avait été fait, c'est de la part d'un papa d'une des victimes qui avait reproché peut-être aux enquêteurs de ne pas lui avoir permis de pas les se avoir rendre amenés, sur les lieux. Et il lui disait que s'il avait eu l'occasion de se rendre sur les lieux et simplement crier le nom de sa fille, il aurait entendu sa fille réagir. Et voilà, donc ça a fait partie aussi de tout. Alors oui, au-delà de l'erreur des enquêteurs, l'erreur supposée des enquêteurs, évidemment, s'est rajoutée là aussi. Ça semblait tellement énorme que la question de la suspicion d'être passé à côté volontairement a été entendue. Ce qui a été évidemment aussi extrêmement violent pour les policiers à l'époque, et c'est vrai que c'est Gino Rousseau qui a dit effectivement, si on m'avait appelé, ça montrait l'absence totale de lien entre les enquêteurs et les familles. Si on m'avait amené, j'aurais appelé ma fille, elle m'aurait évidemment entendu, dit-il. Et le policier de bonne foi, dit-il, voilà, dit, moi, j'ai, voilà,
ce serait en fait je ne pouvais pas ouais. déceler oui, ce sera refaire, dans le brouhaha général qu'il y avait dans le bruit extérieur voilà et c'était de telle bonne foi dit-il que mais bon là franchement oui, honnêtement pour... les gens n'y croyaient pas quoi les ouais. gens n'y croyaient pas parce que pour rappel du coup ils ont été deux fois dans la cave sans les trouver et au moment où finalement ils ont trouvé la cache, c'était trop tard. Ah, c'était trop tard. Les deux filles qui étaient à ce moment-là vivantes encore dans la cave n'étaient pas. Oui, parce qu'au moment où elles sont descendues, effectivement, les policiers, elles étaient encore vivantes. Mm-hmm. Et rappelez évidemment qu'elles sont décédées dans des conditions mm-hmm. encore plus atroces, que c'était morte de faim, et en plus sous le contrôle de Michel Martin, puisqu'en fait, Marc Dutroux était déjà arrêté. Et donc Marc Dutroux a donné les noms. De Sabine et Laetitia, mais n'a pas donné les noms de Julie et Mélissa, et son épouse qu'il était donc savait et n'a rien fait ni pour les nourrir et les a laissés mourir de faim. Donc ça a rajouté au côté évidemment incroyablement macabre à nouveau rien n'était épargné dans les détails sordides quoi. Et tout ça évidemment alimentait à nouveau une opinion qui essayait de faire le lien entre tous ces éléments voilà. Et donc la commission Dutroux qui a pris des décisions qui ont quand même assez profondément changé le mode de fonctionnement de la justice et de la police. Maintenant on peut disserter jusqu'où assez, pas assez, mais c'est autre chose. En tout cas, ça a transformé vraiment des choses. Il y a eu un effet théâtral et dramatique qui a complètement débordé de ce qu'était la mission de cette commission et qui en a fait un moment de télévision, en tout cas maintenant sur le plan médiatique. Totalement, un rendez-vous. C'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer. Honnêtement, c'est marrant parce que j'en parlais en regardant justement, une des émissions de reconstitution. J'étais avec mon épouse et qui me disait, mais c'est le moment. En fait, elle dit, en revoyant ces images, elle m'a dit, mais c'est le moment le plus fou de ma vie. Comme élément extérieur, je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était incroyablement bouleversant, quoi. C'était Mais rajouté de couche en couche. Finalement, il y avait une forme de, sans doute de, pas de banalisation, mais d'acceptation de choses qui étaient toutes plus énormes les unes que les autres. Et puis il y a eu le procès. Le procès, c'est ça. Donc en 2004, c'est un peu peut-être l'une des dernières étapes, en tout cas dans l'affaire globale. C'était donc en 2004, le procès de Marc Dutroux et de ses complices. Et là encore, un déploiement médiatique très important. Oui. À la différence près que là, cette fois, les moyens techniques étaient. On s'est mis ensemble. Alors là, oui, là, c'est la première fois depuis le début de cette affaire qu'effectivement, il y a eu une mise en commun des moyens techniques par l'ensemble. Pour les médias. Des médias. Se rendant compte que. Ça aurait été impossible de se marcher sur les pieds dans un événement comme celui-là, et en termes de dignité, de couverture, et puis simplement de matériellement, au vu de l'intérêt de la presse mondiale qui était présente à Arlon à ce moment-là, donc il n'y avait pas le choix. Et donc. C'était à Arlon. C'était à Arlon, donc il a fallu s'entendre. Mm-hmm. Et donc on avait un dispositif commun, pas éditorial, mais un dispositif technique commun. Ça veut dire que les caméras étaient les mêmes pour tout le monde, les images qui sortaient. Non, par exemple, tout ce qui a servi de rédaction, parce qu'évidemment on a été sur place tout le temps, les équipes dormaient dans les environs d'Arlon et sont restées là-bas pendant des semaines. Et donc il y avait des bâtiments préfabriqués qui ont été construits pour servir de rédaction à l'ensemble des médias, et tout ça était le fruit de c'est une espèce de rédaction commune qui a été le fruit de moyens qui ont été mis en commun, partagés entre les différents médias, enfin audiovisuels en tout cas à l'époque, qui se sont engagés à ne pas se marcher sur les pieds et à collaborer en tout cas techniquement et à s'aider techniquement quand c'était nécessaire. Donc il n'y a pas eu autour du procès de débordement où vraiment ça s'est passé plutôt bien. C'est la seule chose qui s'est passée en tout cas en termes de sans crise de nerfs, je dirais. Évidemment, on pourrait en discuter encore pendant de longues heures de toute cette affaire Dutroux, des mutations profondes aussi qu'elle a engagées. Merci messieurs d'avoir participé aussi à cette discussion, de nous avoir amené en tout cas des pistes de réflexion aussi sur, on le disait, les mutations qu'a pu amener cette affaire dans notre société, dans les médias également. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir pris part à ces discussions. Je vous invite évidemment à consulter de nombreux films, articles, ouvrages
reportages qui reviennent aussi sur l'affaire du trou pour essayer d'en maîtriser tous les tenants et aboutissants. C'était pas simple et aussi impossible pour nous évidemment de revenir sur tout. Et sur tous les différents points, parce que si on le disait, c'est une affaire qui s'est étalée sur de nombreux mois. Merci à vous donc d'avoir pris part à nos discussions dans l'espace commentaire. On se retrouve évidemment vendredi prochain pour le troisième numéro de la base. Avant de conclure, j'aimerais quand même savoir si vous, et donc on éclipse totalement notre sujet qui était donc sur l'affaire du trou, est-ce que vous avez tout de même passé un bon moment sur la forme en tout cas de la discussion? Moi j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que c'est vrai qu'on se faisait la réflexion en préparant ici l'émission, c'est de se dire c'est les 25 ans de la Marche Blanche. D'ailleurs, petite anecdote peut-être un peu plus légère, mais donc la Marche Blanche qui a eu lieu le 20 octobre 1996, qui était donc, c'était le fameux événement où 350 000 personnes de mémoire se sont rassemblées dans les rues, silencieusement, pacifiquement, de blancs vêtus, avec des discours, des familles, etc., qui est un moment qui a vraiment marqué l'histoire de la Belgique. Le 20 octobre 1996 n'est pas la date d'anniversaire de Manu, mais le 20 octobre 1997 est la date d'anniversaire de Manu. Donc Manu est né un an tout pile après la Marche Blanche. C'était donc son anniversaire. Enfant de la Marche Blanche. Oui, en quelque sorte. D'ailleurs, tu es en blanc. Et donc, c'est ça. Donc concrètement, le fait de se dire qu'autour de la table, c'était un événement majeur, et on sait bien que c'est un événement majeur de l'histoire nationale ici en Belgique, et même internationale, parce que ça a dépassé largement les frontières. Mais de se rendre compte qu'on n'avait pas spécialement de connexion émotionnelle directe avec ce qui s'était passé. Mais d'ailleurs, si je peux me permettre juste, c'est d'ailleurs assez notable de l'histoire de Belgique. Parce que finalement, les grands événements, je parle d'histoire spécifique, je ne parle pas de la Deuxième Guerre mondiale, mais je pense les grandes grèves de 60, la question royale, l'affaire du trou. Les attentats. Je trouve qu'il y a toujours un problème de connexion avec ces événements par rapport à d'autres pays où, dans la construction du récit collectif, du récit national, font partie de choses qui sont des balises qui permettent d'écrire un récit national et sans doute que récit national en Belgique, c'est compliqué. Et finalement, c'est difficile, sachant que la seule finalement balise incontournable, c'est la guerre, mais que tous ces grands événements, la connexion émotionnelle ou la connexion sur la manière dont elle a participé et contribué à la construction de la société belge, sont pas toujours faciles à faire. Et je constate que dans l'affaire Dutroux, c'est un peu la même chose. On sait à quel point, comme tu dis, ça a bouleversé le fonctionnement du pays, à quel point les impacts ont été profonds, mais en faire aujourd'hui la synthèse historique pour pouvoir en faire une espèce de devoir de mémoire, sur lequel finalement on se retrouverait, en tout cas dans la manière d'écrire son récit et ses impacts, il y a encore un travail qui n'a pas été fait. Alors c'est peut-être parce qu'on est encore 25 ans après, encore trop proche de ce qui s'est passé, mais au vu de l'ampleur des choses, je pense pas que tout ce travail ait déjà été réalisé. Oui, peut-être aussi parce que la génération qu'il a vécu directement, que ce soit ta génération, mais aussi la génération de mes parents et même de la génération de Pauline Bonny, donc la réalisatrice de ce documentaire Petite qui a été diffusé sur RTBF mercredi et qui peut être retrouvé en replay. Mais c'est vrai que c'est tout. Je crois qu'elle a 35 ans parce qu'elle avait 5 ans au moment de l'affaire du trou. Du coup, il y a un peu cette génération-là. A peut-être encore une connexion émotionnelle très forte et se rend peut-être pas compte du fait que notre génération à nous, juste en dessous, n'a pas cette connexion, et donc il y a peut-être pas encore ce réflexe de transmission. Ah oui, je peux te dire que moi j'avais donc à l'époque, j'ai trois enfants, mais mon fils avait 25 ans, et c'est vrai que c'était par rapport à mon vécu en tant qu'enfant et la manière dont il y avait une forme d'insouciance, en tout cas dans la liberté laissée aux enfants, y compris la mienne, en termes de voyage, de déplacement, et celle que l'affaire du trou a imposée dans l'éducation de nos propres enfants. Oui, je pense que c'est là où personne n'est sorti intact de ce qui s'est passé, et que même si il y avait un boulot journalistique, éditorial, de responsabilité, mais en tant que parent, voilà, on est tous passés par le crible de l'affaire du trou et le miroir que ça nous renvoyait sur l'éducation de nos propres enfants, la responsabilité qu'on a vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai, cette perte d'insouciance et cette perte de liberté, finalement, qu'elle a créée dans la manière dont on a éduqué nos propres enfants. Donc c'est là où je dis qu'il y a encore beaucoup de choses à dire et à écrire sur les conséquences de multiples de ce qui s'est passé.
les conséquences sur notre société. Ouais. Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à notre discussion. Merci à vous également de nous avoir suivis et d'avoir participé également. Vous pourrez nous retrouver à partir de la semaine prochaine en replay et en podcast sur nos différentes plateformes, sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de podcast. Et puis on se retrouve en direct vendredi prochain donc pour le 3e épisode de La Base. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et bon week-end. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.